Ça bloque à l'Assemblée nationale, ça bloque aussi pour la CENI, ça bloque un tout petit peu à l'Est avec l'état de siège, ça bloque aussi en Afrique avec Alpha Condé qui a été défenestré le dimanche dernier, ça bloque également au niveau de l'enseignement avec les enfants qui font des sex steps. Entre-temps, les journalistes à Kinshasa exigent aussi qu'on ne puisse pas les tuer ou plutôt les menacer. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici à RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, non, j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Bienvenue à tous, merci de la fidélité à votre club. Merci d'abord à 7 millions de téléspectateurs. La semaine dernière, ensuite, beaucoup de téléchargements pour ce programme qui est multidiffusé à travers le monde. Je sais également que vous êtes très nombreux dans les capitales occidentales à nous suivre, dans les campus universitaires comme à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, mais également en Afrique du Sud. Aujourd'hui, un sujet assez sulfureux avec des blocages au niveau de l'Assemblée nationale où effectivement le président de la prochaine CENI n'est toujours pas trouvé. Mbosso, Bahati, ses voix, ses revoirs, les ultimatums, mais également des blocages au niveau de l'Est. Les élus exigent aussi qu'il y ait l'évaluation. Entre-temps, Mbosso dépêche là-bas une délégation pour aller contrôler ou plutôt constater. C'est qu'Alain Foucault a dit, oui, il y a quelques jours seulement, que beaucoup des mines là-bas échappent au gouvernement de Kinshasa. Ici, chez nous, à Kinshasa, il y a des enfants qui se livrent. En même temps, on les punit, certains définitivement, d'autres partiellement. Ça fait un peu désordre, tout ceci. Allez, maintenant, c'est un club aussi assez sulfureux aujourd'hui. Très sulfureux. Mais on va les constater ensemble avec celui qui vient nous rejoindre, qui a... aussi battu un record depuis quelques jours seulement avec un tweet pro-Kabila. Enfin, il a un peu nuancé parce que lui, il reste égal à lui-même. Pérouloir. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Ceux qui sont en train de vous suivre disent « Enfin, Perrault au club !» Ah ben oui, enfin, je suis là. C'est parce que vous m'avez invité d'abord. Ben, je dois également être honnête pour dire que ça fait plusieurs fois que vous m'avez invité. Il est arrivé que peut-être nos agendas n'arrivait pas assez à se caler, mais finalement aujourd'hui, c'est tout un grand plaisir d'être sur le plateau de Jean-Marie Kassamba, un grand frère, un ami, un aîné, un collègue et un confrère. Ça fait toujours plaisir d'être là. J'en profite d'ailleurs pour saluer également les éminents confrères qui sont avec moi. Juste un petit biscuit, rapide. Ben, on me dit que, non, votre biscuit, vous le verrez, le mien, vous okay. Concernant. Quelqu'un m'a dit, Perrault, lorsque Moïse Katumbi lui donne les millions, il devient pro Katumbi, il est extase, il devient comme celui qui a été à Lubumbashi, etc. Et lorsque la Kabylie lui déverse un petit 10 000, il devient kabyliste. Non, mais vous avez oublié, avant Katumbi, avant kabyliste, on disait que j'étais tshisekediste aussi. Et à cette époque-là, on disait que Makila est gangui parce que je suis kassaïen. Quand je parlais en bien de M. Tshisekedi, on disait que je suis kassaïen, Makila est gangui. Après, on a dit, mais non, que je suis katumbiste, mais non, on dit que je suis kabyliste. En clair, à toutes ces mutations, je veux dire, par rapport à ma façon de me caricaturer, me rassurent dans mes prises de position. Ça démontre tout simplement que je suis ni kabyliste, ni katumbiste, ni tshisekediste. Je suis journaliste et je suis républicain.
Je suis capable de saluer ce qui se passe de bon chez Jean-Marie Kassamba. Je suis également capable de dire, monsieur Kassamba, ici, moi j'estime que ce que vous avez fait n'était pas normal. Si le jour où Kassamba fait du bien, je les salue, on dira que je suis kassambiste, je l'accepte. Est-ce que Perron va bien là, depuis la menace voilée à travers un... Allez. Non mais ça fait quand même... Ça fait une audio assez bizarroïde là. C'est quelqu'un qui semblait vous connaître un tout petit peu, non? C'est décevant qu'à l'heure où on parle de l'état de droit, on parle de la démocratie, que le journaliste soit menacé par rapport à leur travail et par rapport à leurs opinions. Ça, c'est des choses qui, en principe, doivent me conforter dans ma façon de faire. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, lorsque vous défendez un idéal, lorsque vous avez des convictions, vous devez être capable de donner votre vie pour vos convictions. D'ailleurs, un aîné me disait, si vous vivez sur la terre et que vous avez quelque chose qui, pour lequel vous êtes capable d'aller à la mort, votre présence sur la terre des hommes ne sert absolument à rien. Au lieu de pouvoir me doucher dans mes convictions et dans le travail que j'ai fait, moi j'ai plutôt pris ça comme quelque chose qui m'a boosté. La preuve, elle est là. Après cet audio-là, j'ai continué à faire mon travail. Après cet audio-là, j'ai continué à dire ce que moi j'estimais bon pour la République démocratique. Vous n'avez pas peur un peu? Non, pas du tout. Ce n'est pas la première fois. À l'époque de Kabila, j'ai même failli donner de ma vie. Rappelez-vous, vous m'avez aidé d'ailleurs. Plusieurs fois, j'étais en clandestinité. Je me suis retrouvé dans des caniveaux. Pendant ce régime aussi, j'ai eu quelques petits problèmes. Aujourd'hui au parquet, demain, menace. Donc, à un moment donné, ça devient une routine. Malheureusement, pour mes détracteurs, cette routine-là ne me dérange pas. Soyez apaisé. Ça me renforce plutôt dans mon engagement à travailler pour le journalisme et pour l'avènement véritablement démocratique. Soyez apaisé. Vous êtes multi-protégé et par votre président national, plutôt provincial à Kinshasa, et par votre président du web, que je salue d'ailleurs en Abacos vêtu. Merci beaucoup Jean-Marie pour l'invitation et merci. Il s'appelle Israël Moutala, le patron des 7 sur 7, l'un des sites le plus sérieux de la RDC, on va le dire. Merci. On ne dira jamais assez. Merci, merci beaucoup Président, merci encore une fois de cette invitation. Et je suis heureux d'être sur ce plateau avec Yves Bouya. Surtout Oui, avec... Eric Weba et Perrault, des personnes que je connais de très longue date. Et j'espère que le débat sera instructif et très riche pour éclairer la lanterne de nos nombreux téléspectateurs. Merci beaucoup. J'ai salué tout à l'heure les 7 millions de la semaine dernière. Déjà, je sais que vous êtes bien calé là chez vous en train de dire qu'est-ce qu'il va encore dire aujourd'hui, surtout Yves Bouya, l'homme qui maîtrise les dessous des cartes, surtout de ceux qui fuient par l'Angola. Qui l'a cru? Pourquoi vous rigolez, ces journalistes? Vous êtes taquin. Non. C'est pas vrai. Yves Bouya. Très, très, très heureux. Très ému d'ailleurs quand je vois Israël Moutala, qu'on appelle président aussi. Oui. Surtout, très bon anniversaire à lui. Bon anniversaire à toi, Israël. Oh, ouais, c'était son anniversaire hier, c'est vrai. Oui. Merci, merci. C'était hier son anniversaire. Ah. Bonjour à Perrault, pour son retour. Depuis qu'il est parti, c'est plus d'une année qu'on ne les voit plus discuter avec nous. Je vous dis également bonjour, bonsoir et merci pour l'invitation. L'homme qui maîtrise les dessous. Oui, j'ai Il y aura un biscuit ou pas? Non, j'ai un biscuit. Gardez les biscuits. Eric Wemba, qui a bénéficié d'ailleurs d'un vrai Libanga, le fameux... posting de Perrault Louara. Ah oui, en tout cas, je m'y attendais le moins quand j'ai vu ça. J'étais invité tout à l'heure à témoigner en quelque sorte des années 5 chantiers, révolution de la modernité, chez les kabilistes là-bas. Alors j'ai dit, Perrault Louara a rappelé à Eric Wemba. Enfin, c'est Eric qui a rappelé à Perrault Louara. L'anticabilisme exacerbé d'autrefois n'a plus lieu d'être. En tout cas, moi, je dis d'ailleurs, l'anticabilisme est primaire. Primaire. Très primaire, qu'on avait de considérer que Kabila, c'était les diables. Il fallait les changer à n'importe quel prix. Mais je crois que nous sommes tous en train de Mais pourquoi vous avez fait cette remarque à Perrault? Oui, parce que moi-même, j'ai été comme Paul. Comme Paul. Comme Saoul, un anti-kabiliste que vous ne pouvez pas imaginer. Ah, vous êtes un kabiliste, mais non, je ne suis pas kabiliste, mais je dis quand même parce qu'il n'y avait pas d'élément de référence. Vous avez partagé les 10 000 là qu'on a filé à Perrault, non? Il n'y a rien qu'on nous a donné, mais nous constatons quand même. Nous constatons quand même qu'il y a un parti qui est au pouvoir, qui a été à l'opposition radicale contre les pouvoirs de Kabila. Mais dans certaines choses, ils font pire. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 dollars pour les constater quand même. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a un des montiers qui était à Kananga, il est bloqué.
Il est obligé. Kananga. Il est bloqué. Pourquoi? Même Edimo a été bloqué. Il est obligé d'aller à Lubumbashi pour prendre les vols parce que les vols dans certains coins de la République sont devenus rares. Ah bon? Nous payons les prix de l'économie dirigiste que le pouvoir de Tshisekedi a instauré pour. On retire dirigiste. L'économie, elle est dirigiste. Quand l'État commence à fixer les prix. Nous avons un économiste ici. Oui, il est devant moi, je le dis, j'échange avec lui. En tout cas, sur ces points-là, nous partageons le même point. C'était une mauvaise décision de décréter le prix. L'économie dirigiste, réduction des billets d'avion, on n'a résolu aucun problème. Réduction des produits surgelés, les chambres froides sont aujourd'hui fermées. En tout cas, il n'est pas trop tard pour bien faire. Ces mesures-là ont montré leurs limites. Il faut revoir ces mesures. L'économie dirigiste. Mais le ministre de l'économie, qui était un ancien conseiller, d'abord l'ancien ministre de l'économie, le président du Sénat, a-t-il pris une décision hâtive ou voulait faire plaisir à quelqu'un? Non, j'ai dit, moi je pense que ces décisions sont des mesures qu'on a prises pour des fins électoralistes. Pour dire aux Congolais, votez-moi 2023, vous mangez maintenant les poulets moins chers, vous payez les billets moins chers, mais ça commence à montrer ces limites. De manière précipitée et pas bien réfléchie, de pouvoir avoir un discours et de pouvoir avoir un bilan à mettre sur la balance en 2023 amène nos autorités à prendre des décisions de manière précipitée et ces décisions-là s'avèrent être après très dangereuses pour la République. Mais les conseillers... Mais Jean-Marie Kassamba, oui. Pas aussi autre chose. Oui. Lorsqu'on vous dit qu'aujourd'hui les discours sur les bilans se résument en billets d'avion, ils sont combien ces Congolais qui bénéficient 400 000 Nous sommes à... Quand vous prenez la proportion, 120. Quel est l'impact que la réduction des prix des billets et des transports aériens aura sur la vie des Congolais? Rien. Je préfère qu'on garde cet argent, qu'on l'État récupère les recettes de cet argent pour investir, par exemple, dans le chemin de fer. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a dit que sans le chemin de fer, le Congo ne valait pas un pays. C'est-à-dire que le souci, la quête d'avoir un bilan, un discours à pouvoir mettre sur la balance, sur la table en 2023, amène malheureusement nos autorités à pouvoir prendre des décisions de manière... Merci beaucoup pour les biscuits. C'était Stanley ou Livingston? Sans le chemin de fer, les Congolais ne vaut pas un penny. Oui, parce qu'il parlait du chemin de fer Matadi, notamment. Alors, justement, c'est lui qui maîtrise un peu les notions d'économie. C'est Israël Moutala. Est-ce que... nous avons fait d'ailleurs un plateau ici où on avait tiré cette sonnette d'alarme pour dire... Les réunions que le ministre de l'économie tenait avec ses opérateurs, c'est-à-dire les compagnies aériennes, ne devaient pas être suivies rapidement des mesures, on va dire, décrétées. Ça allait causer des torts. Bon, beaucoup de problèmes avec nos provinces qui sont éloignées. On est un territoire immense. Apparemment, on ne nous a pas écoutés et on vit plein dedans. Jean-Marie, c'est une décision malheureuse. Elle est triste. Mais avant que j'en vienne là, j'aimerais... Vous avez un biscuit aussi? Non, ça veut dire que je rebondis sur les propos de Perrault. Oui. Nous sommes dans une économie libérale. Ça veut dire que les opérateurs économiques fixent librement leur prix de biens et services, quitte à ce que la structure de prix soit transférée au ministère de l'économie a posteriori. Mais pour 4 biens et services... Il faut absolument d'abord que le ministère ayant l'économie dans ses attributions puisse accepter ou homologuer le prix. Lesquels? Donc c'est le transport, les hydrocarbures, l'énergie, ça veut dire eau et courant. Mmh. Ce sont ces 4 matières où c'est l'État. C'est stratégique. C'est l'État qui fixe les prix après concertation avec les opérateurs économiques. Donc pour les autres, vous fixez librement votre prix en respectant bien entendu la loi, mais pour ces autres secteurs, avant que le prix n'entre en vigueur, il faut que l'État soit d'accord, sinon vous ne fixez pas. Donc ici, nous sommes dans... Donc le ministre a pris une bonne décision? Non, il n'a pas pris une bonne décision. D'ailleurs, bon, quand vous... En principe, c'est pour les transports en commun, mais on a généralisé un peu tout type de transport. Et ils ont greffé l'avion dessus. Voilà, ils ont greffé, parce que pourquoi le ministre n'a pas fixé les prix dans les baleinières, sur les pirogues? Parce que voilà, pourquoi il n'a pas... Pour traverser à Brazzaville, voilà, ou entre Goma et Bukavu. Voilà. Pourquoi il... Voilà, voyez-vous. Donc ça veut dire qu'à un moment, moi je pense que c'est une mesure, cette mesure, elle devait résoudre quel problème? Mais en réalité... Est-ce qu'elle a résolu... Écoute, elle a résolu, je vous pose elle a résolu quel problème? La précipitation avec laquelle on s'est évertué à faire ça, c'était quoi l'objectif? Est-ce que c'était pour des raisons électorales, qu'a dit Perrault, c'est ou bien on dit voilà, on le fait comme ça pour que ça va marquer l'opinion? Écoutez, ça va marquer. Parce qu'on a parlé aussi. Je comprends. Wifi gratuit, hein, à l'IPN. Je veux bien qu'on fasse
du populisme. Je veux bien qu'on ait un bilan présenté, mais ce n'est pas sur ce levier-là qu'il faut appuyer. On a dit, nous sommes un pays de 100 millions d'habitants. Il y a 300 millions d'habitants, plus de 100 millions d'habitants. Il n'y a que moins de 400 000 personnes qui prennent l'avion. Perrault prend l'avion 5-10 fois par an, Yves Bouya autant, Jean-Marie, vous prenez l'avion plusieurs fois, voyez-vous. Donc, dans les 400 000 passagers là, ça veut dire qu'il y a des passagers qui prennent 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois. Ça veut dire que le nombre réel des Congolais, parce que sur ce nombre-là aussi, il y a des étrangers. Donc, le nombre réel des Congolais qui prennent l'avion, c'est autour de 300 000. Oh. Et vous ne pouvez pas dire que ça, c'est une mesure sociale. Non, parce que, bon, voilà, bon, vous mettez le billet à 200 $, d'accord. Le ministre va payer le GoPass aux gens. Non. Le ministre va payer l'avion. Non. Le ministre, non, le séjour, l'hôtel. Il va même payer les taxis pour arriver à l'aéroport. Il va payer le GoPass. Il va payer la taxe sur les infrastructures. COVID. Voyez-vous que nous sommes dans un pays où le revenu moyen du Congolais, c'est $50 par mois. Voilà. Le PIB, pour nous, c'est $50 par mois. Quand vous peinez le revenu, ça veut dire que nous sommes à peu près à 100 millions d'habitants. Le PIB, il est autour de 60 milliards de dollars. Quand vous divisez, vous avez $600 à peu près l'an comme revenu annuel par habitant. Quand vous divisez par 12, nous sommes autour de $50 les revenus du Congolais. Vraiment. Alors, avec $200, comment est-ce qu'on va intégrer les gens qui ont un revenu de $50 pour monter dans l'avion? C'est pas sérieux. Et donc, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement puisse tabler sur d'autres secteurs, sur d'autres... Parce que les gens vous écoutent. Voilà. Parce que les gens vous écoutent. Vous êtes un des spécialistes en la matière. Est-ce que, raisonnablement, on renonce ou on renégocie? Non, raisonnablement, on rentre à la table de négociation et que parce qu'on a fixé $200 comme prix unique, non, parce que c'est absurde. Voilà, parce qu'en first class, on va faire comment et, voilà. Parce que là, j'ai vu que le ministre a commencé à fixer même le menu. Oh! Ouais, voilà. C'est Monsieur le ministre. Voilà, dans le menu, non, dans le menu, il manquait ça, il manquait ceci. Mais dans le menu, là, il y a le business class qui n'a pas le même menu que les gens de l'économie. Alors, là, et puis le menu. Alors, il y a des gens qui sont en transit aussi, c'est pas le même menu. Écoutez, ça commence ça frôle un peu les ridicules. Merci. Donc moi je pense que maintenant là, ça veut dire que la solution c'est qu'on peut garder 200 là-bas comme le prix plancher. Et puis ça veut dire qu'on réserve peut-être 30% des places pour $200. Et puis on va graduer, on va compartimenter l'avion en first class, en business class, en éco et ainsi de suite pour permettre à ceux qui sont qui ont une bourse qui n'est pas assez consistante de voyager. Donc, voilà. Mais on ne peut pas avoir un prix unique, non, parce qu'il y a des gens qui appellent, qui disent que moi, je veux payer mon billet et voyager en first class avec tout le confort, avec ma coupe de champagne. Mais on ne peut pas offrir du champagne à tout le monde. Alors voilà pourquoi est-ce qu'on compartimente un avion. Voilà. Le $200 que le ministre a fixé d'autorité doit être un prix plancher. Sinon, il va tuer les secteurs et on a du mal à voyager. Et les secteurs sont en train d'être tués. Qui est en train d'être les destinations de Kalanga, Mujimai, Mbandaka. Voilà, beaucoup de destinations ne sont plus rentables. Ouais. Et donc, voilà. Alors, c'est le temps maintenant que je demande quand même à Yves Bouya, CNews, son biscuit sur le Congo central. Est-ce qu'on a de nouvelles du Congo central? Notamment de son gouverneur, qu'on aimait bien. Non, c'est beaucoup de choses que j'ai appris sur le gouverneur Atou, qu'il aurait fui, qu'il serait déjà en Angola. Mais moi, j'ai parlé avec ses très proches. Ils m'ont dit qu'il est toujours à Ouro. Mais est-ce qu'il a comparu? Non, il a dépêché ses avocats à Kinshasa. Okay. Il me dit incessamment, lui-même sera là pour répondre quand il y aura une seconde invitation. Donc, l'info... Monsieur le gouverneur honoraire. Déjà, il y a un nouveau qui est installé. Il s'appelle Loamba, n'est-ce pas? Non, mais c'est pour embêter un peu. Ouais, c'est du désordre que nous apporte. Mais Loamba en question, c'est pas lui qui est un peu demi-vêtu? Oui, c'était lui. Moi, je m'étais carrément opposé à la décision de M. Asselo. Ministre de l'Intérieur, quand il avait annoncé les élections dans certaines provinces, sans pour autant mettre les lois là-bas. Sans pour autant mettre les Sankourou, il y a un très sérieux problème au Sankourou, entre M. Stéphane Moukoumadi et M. Alamba, les présidents de l'Assemblée provinciale, il n'y a aucun projet de développement. Au Sankourou? Au Sankourou, il n'y a aucun projet de développement. Les lois là-bas, les députés provinciaux n'avaient jamais destitué M. Richard Mouyej. J'ai appris que ça s'est passé. Oui, ça s'est passé parce que les gens ont appris
Il fallait que M. Mouyej retourne là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est fait? Ils ont vite fait organiser des élections pour destituer M. Mouyej. Mais il a été retenu ici pour des raisons inavouées. Au Congo central, où il n'y avait pas crise entre, s'il fallait dire, entre institutions, mais M. Asselo a parlé du Congo central qu'il fallait avoir des élections. Comme il nous a installé lui-même, il a dit c'est provisoirement, excuse-moi pour les termes, parce que M. Luamba... Est-ce que ce n'est pas le même Luamba qui était demi-vêtu? C'est lui, M. Luamba, le demi-vêtu, l'acteur pour nous, pas, excusez-moi. Non, il n'est pas acteur. Il était demi-vêtu. L'acteur de la famille. C'est lui qui est placé. Il était demi-vêtu. Ce que nous voulons, c'est des élections. Comme au Congo central, des élections, M. Mouyej a été destitué. Il faut qu'on mette, qu'on inscrive aussi les Luamba parmi les provinces qui doivent organiser les élections. On ne peut pas, sur la liste de M. Asselo, nous exclure les lois là-bas. Au nom de quoi ils vont maintenir Mme Fifi Masuka pendant un moment? Au nom de quoi? Elle est, je crois, elle n'est pas titulaire, elle assume l'intérim. Il faut que M. Asselo nous mette organise des élections. Donc quand on destitue Mouyej, c'est automatique que l'adjoint prend la place? Oui, c'est automatique en entendant l'organiser des élections. Mais ce qui est vrai, je dénonce la procédure, c'est que monsieur n'a jamais été auditionné, entendu au niveau. Il n'a jamais fourni ses moyens de preuve. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Retenu à Kinshasa pendant des années, il fallait à la limite qu'il puisse regarder sa province, qu'il puisse même entre écouter des grèves qui lui sont reprochées. Ça n'a jamais été le cas. Mais Madame Fifi Masuka a fait son putsch. Moi, je pense. Retirer putsch. Non, Jean-Marie, ça, c'est un putsch. Non, retirer putsch. Jean-Marie Kassamba, non, c'est un putsch, ça. Mais il y a eu un. La façon un dont monsieur. La façon. Non. Il a assumé l'intérim. Mais je vous dis. Jusque-là, elle n'était qu'intérimaire. Je vous parle de la procédure. Oui, mais c'est pas. Il y a eu des griefs contre M. Mouyej. Oui. Il n'a jamais été entendu par les députés provinciaux. Ça n'a jamais été le cas. Ils sont juste. Mais Fifi Masuka, elle était là défaite. Elle était là parce que le titulaire n'était pas là. Donc. Juridiquement, c'est elle qui a fait. Mais juridiquement, mais oui, il y a des grèves contre M. Richard Mouyej. Mais ça, c'est la procédure. Mais oui, il fallait l'entendre. Alors, il fallait l'entendre. Ça n'a pas été fait. Non, mais Yves Bouyane ne peut quand même pas attribuer à Fifi Masuka les trucs qui se passent là-bas. Il faut quand même qu'on place les choses dans leur contexte et qu'on mette des auteurs. Qu'est-ce que Fifi Masuka a à voir au fait que Mouyej soit maintenu ici à Kinshasa? Il n'est pas ministre de l'Intérieur, elle ne travaille pas à la DGM, et les ministres étaient les mêmes défaites. Elle n'est même pas à l'EGF. Ce n'est pas elle qui a décidé de retenir Fifi Masuka Mouyej ici. Non. Donc dire d'elle qu'elle a fait un putsch, moi j'ai dit que ça c'est extrêmement méchant. Non. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il évoque des questions de droit. Jean-Marie, vous savez, un état de droit, c'est un état basé sur le respect des principes. Et parmi les principes, il y a le principe du droit de la défense. Vous savez ce que je pense de Kabila et de sa famille, mais j'ai été contre que Zoé Kabila, invité ici à Kinshasa, on il a été retenu ici à Kinshasa, pendant que Zoé Kabila est ici à Kinshasa, on est en train de les mettre chez lui à Tanganyika. Ça, ce n'est pas normal. De même, moi, je ne crois pas à Richard Mouyej Manguez Mons, mais j'aurais voulu... Vous l'avez chauffé à un moment donné. À un moment donné, oui. Mais même si je ne crois pas à Richard Mouyej Manguez Mons, je suis foncièrement attaché au droit. S'il fallait le choix en Mouyej Manguez Mons, il fallait lui donner la possibilité d'aller présenter ses moyens de défense. Mais Fifi Masuka n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas elle Fifi Masuka. Non, Perrault. Ce n'est pas Masuka elle est bénéficiaire. Moi, elle est bénéficiaire de fait. Parce que ce qui est dramatique, Perrault, s'il vous plaît, une minute. Ce qui est dramatique, il n'y a jamais eu un acte suspendant Mouyej. Mais c'est Fifi Masuka qui devait écrire. Elle est qu'est-ce que Masuka a fait? On n'a pas dit que c'est Fifi Masuka. Non, vous avez dit que Fifi Masuka a fait un putsch. Fifi Masuka contribue à la de toute façon. Non, on l'a utilisé pour ses films. Jean-Marie, elle a été. Jean-Marie, ce qui est dramatique. Elle a hérité d'un désordre organisé. Mais c'est pas de sa faute. Non, écoutez, non, c'est de sa faute. Non, non, non. Elle a bénéficié. Non, j'ai pas dit qu'elle est misélève. Elle a bénéficié. Elle a bénéficié d'un désordre organisé. Partout. Madame Fifi Masuka, tous nous le connaissons ici, qu'il est là-bas, est devenue l'Eldorado du pouvoir, tu sais qui dit. Mais encore, encore. Mais Jean-Marie. Tous ces dignitaires des régimes ici, ils sont où? Mais ils vont chez eux. Ils sont où? Chez eux où? Le Lualaba, c'est chez eux. Mais non, pas chez eux où? Ils sont où? Ils oublient d'autres provinces, ils nous oublient l'Équateur, ils nous oublient les Bandundu, ils nous oublient les Congo central, ils nous oublient les Haut-Katanga, ils nous oublient les Katanga. Tous sont... Pourquoi vous les intéressez? Jean-Marie, non, mais pourquoi seulement les Lualaba?
Et qu'est-ce que Mme Fifi-Masuo, quand elle s'amène à Kinshasa ici, elle est tantôt chez Asilo, elle est tantôt chez Mama Marthe, elle est tantôt là-bas. Non, Jean-Marie, si nous sommes. Non. Oui, on a vu des photos de Mme Fifi-Masuo. Jean-Marie, elle peut rendre mais oui, je vous ai dit ici, on a vu des photos de Mme Fifi-Masuo ici. Je ne lui interdis pas. C'est alors voilà. Mais on a vu politiquement, c'est un message. On a vu des photos de Fifi Masuka avec la mère du président de la République. On voit ici des proches du président de la République s'installer au loin là-bas. Politiquement, ça dit tout. Elle a bénéficié d'un désordre organisé. Il fallait avoir les monopoles du loin là-bas. Et elle a joué son rôle. Le rôle, c'est dit que je dis ici, il y a eu un putsch organisé. Le fait que M. Mouyej n'a jamais présenté, il n'a jamais été destitué. En plus de cela, il n'a jamais présenté. Je suis totalement d'accord avec Yves Bouya. Mais là, je diverge avec lui, c'est quand il veut faire porter le chapeau. Mais ce qui arrive, qu'il n'y a pas rien. Elle est bénéficiaire. Sinon, elle aurait dû dire non, c'est illégal. Attendez. Fifi Masuka est bénéficiaire de ces désordres. Elle est gouverneur des fêtes. Ce n'est pas Fifi Masuka qui a demandé au pouvoir en place de garder Mouyej ici à Kinshasa. Elle dit que le fait que les gens soient partis là-bas, c'est un message que Fifi Masuka passe. Maintenant, attendez, Fifi Masuka ne s'est pas cachée. Elle vous a dit qu'elle a intégré l'Union Sacrée pendant que Mouyej était encore en train de traîner. Fifi Masuka a refusé à un moment donné de participer dans des réunions du FCC, mais lorsque Félix Tshisekedi est allé là-bas, elle est allée le recevoir comme chef d'État et comme initiateur de l'Union Sacrée. Elle assume, elle a dit qu'elle était de l'Union Sacrée. Ça ne doit pas vous déranger quand elle est à Kinshasa ici, qu'elle rencontre Jean-Marc Kabound, qu'elle rencontre Augustin Kabouya. Encore que vous dites qu'elle a rencontré le ministre de l'Intérieur, mais quoi de plus normal qu'un gouverneur ad interim qui est ici puisse rencontrer son ministre des tutelles? Vous lui faites porter un chapeau qui ne lui revient pas. Merci. Madame Masuka est gouverneur ad intérim des fêtes. Et le fait qu'elle soit gouverneur n'est pas du tout des fêtes. C'est le pouvoir. C'est quoi votre biscuit? J'ai un second biscuit de l'émission. Oui. Perrault qui vient à peine de reprendre l'émission. Oui. Veut s'aimer un peu. Il a failli me faire perdre les fils d'idées. Oui. Intentionnellement. Je salue son retour. Oui. Vous savez, Jean-Marie, c'est un problème très important avec les fournisseurs de vivres frais ici. Fournisseurs de vivres frais. L'année passée. Qui a fourni quoi? Non, l'année passée, il y avait la maison civile du président de la République qui avait saisi certains fournisseurs ici qui devraient délivrer, je crois, certains des vivres frais aux militaires. Aux militaires. À nos militaires? À nos militaires. Ok. Alors, il y avait des entreprises qui avaient soumissionné, qui ont répondu à l'appel, qui étaient sélectionnées, s'il fallait dire. Il y avait des nationaux et des étrangers. Mm. Parmi les étrangers, il y avait Sosimex et Sokin, d'Abed Achou. Mais vous citez les gens de pouvoir. Non, j'ai des documents, Jean-Marie. Je passe sous la réserve des deux présidents qui nous disent toujours d'avoir des preuves. Des sources. Oui, des sources, des preuves de documents. Oui. Ces fournisseurs, au total 10, ont fourni, excuse-moi pour cette logique, des vivres frais aux militaires l'année passée. Certains, je pense les nationaux ici, ils ont vendu un sac des riz à 35 $50 kg, un carton de poulet à 10 $ pour c'est quoi votre biscuit? Non, j'en viens Jean-Marie. À 10, oui. un carton de poulet à 10 $. Oui. Les étrangers ont été très chers. Ils n'ont jamais. Ils avaient exagéré. Ils n'étaient pas compétitifs. Ils avaient carrément exagéré avec les prix. Mm-hmm. Ce qui est bizarre dans cette affaire, Jean-Marie, les entreprises étrangères ont été payées. En bon? J'ai les documents là. Vous avez la preuve? J'ai la preuve là. Il y a 10 entreprises, j'en viens. Montrez-moi votre pièce. Il y a 10 entreprises, si vous voulez. Sur les 10 entreprises. La pièce que j'ai, évolution du paiement des vivres festives de 2020. On est en 2021 déjà. 2020. Oui. Il y a 10 entreprises. Les 10 entreprises, il y a Egal, il y a Sosimex, il y a Sokin. Seuls. Sokin et Sosimex ont été payés. Sosimex, vous pouvez faire décès la peine. Oui. Et Sosimex a délivré des vivres au FRDC et à la PNC. Depuis, les nationaux n'ont jamais été payés. Les IGA, les Sokin, les groupes... Ils n'ont jamais été payés. Les nationaux ne sont pas payés. Jusque-là, ici, j'ai la lettre du chef de la maison civile du président de la République qui écrit au ministre des Finances. Une autre pièce. Pour lui dire payer... Oui, effectivement. Hein. Maison civile du chef de l'État. Oui, payer aux fournisseurs nationaux. Demande de fonds paiement de factures vivres frais fin d'année 2020. Excellence, monsieur le ministre des Finances. Et c'est signé
Ils n'ont jamais été payés. Mais qu'est-ce qui se passe? D'après certains fournisseurs, il y a les ministres, je l'ai dit, les ministres des Finances. Lesquels? Monsieur Nicolas Kazadi, qui exigerait des rétrocommissions. Non, non, arrêtez ça. Je l'ai dit. Non, ça c'est grave. Je l'ai dit qui exigerait. Alors mettez au conditionnel, Attendez. Monsieur Nicolas Kazadi. Je connais la probité morale de Monsieur Kazadi. Absolument. C'est un monsieur d'abord bien intellectuel, fils de son père, que je connaissais. Et donc, exiger les rétrocommissions. Monsieur le ministre, Jean-Marie, à titre personnel, je ne le crois pas, mais Yves Bouya, il connaît des cas. J'ai des documents, ses fournisseurs me l'ont dit. C'est quoi? Que le ministre envoie, expédie ses collaborateurs pour discuter avec ses... Lesquels les collaborateurs? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas citer des noms ici. Bon. Je l'ai dit, alors, pour qu'il soit payé, il faut une rétrocommission à 50%. C'est trop ça. Ce n'est pas le faire, l'argent ira dans la dette, à la dette intérieure. Ça, c'est quand même grave. Mais qui oserait faire des choses comme ça? Je dis ça, j'ai été saisi par ses fournisseurs pour la cause nationale. Je préfère porter ça. Ça, c'est un biscuit qui est très salé. J'ai préféré porter ces dossiers ici. Si monsieur le ministre n'a pas encore payé ses fournisseurs, là, il nous a suivi, puisse les faire. Oui. Ce n'est pas normal qu'on puisse privilégier les expats et mettre en difficulté les nationaux. Monsieur le ministre, j'ai des documents. Yves Bouya, il les connaît souvent les dessous. Je vous ai pas dit, je vous ai parlé des Congo Central. Là, c'est le ministère des Finances. Mais je continue à croire et ma conviction est certaine que le ministre Kazadi, c'est un bon ministre. Ces 8 fournisseurs, Jean-Marie, j'ai cité, ils sont total de ces 10 fournisseurs. Mmh. 2 ont été payés. Je cite ici Socimex et Sokin. Et les 8 nationaux n'ont jamais été payés jusqu'à présent. On va suivre ça. C'est très difficile sur un dossier comme ça que... Qu'on affirme des accusations graves, même au conditionnel. Oui. C'est quand même assez... On doit vraiment limite. On doit créer. Parce qu'il faut, savoir d'abord... Le paiement. Est-ce qu'on a les moyens de payer tous ces gens? Non, on n'a pas les moyens. Justement, les moyens de l'État sont limités et il faut faire des arbitrages. Il faut savoir d'abord où se trouve le dossier. On ne l'a pas lu. Donc, est-ce que toutes les étapes ont été respectées? Ça se trouve à quel niveau? Est-ce au ministère du budget? Parce que j'ai vu ici, il y a beaucoup l'une des pièces, on dit évolution voilà. De paiement de vivres l'année dernière. On est donc, presque un an après. Hein. Non, les deux entreprises étrangères ont déjà été payées. Livré. Les 8 autres, les nationaux n'ont jamais servi. Mais je m'appuie quand même sur la lettre du chef de la maison civile, chef de l'État. Oui, mais ça veut dire que quand la trésorerie de l'État ne le permet pas, on fait des arbitrages et par rapport à ça. Moi aussi, je dis clairement que Nicolas Kazadi, c'est quelqu'un quand même d'une probité morale avérée et compétent. Et donc, j'aimerais faire une émission avec lui pour nous expliquer un peu les finances publiques, où est-ce qu'on en est. Exactement, parce que le peuple d'abord, c'est aussi ça, la redevabilité. Il y a un biscuit, chéri. Un petit biscuit qu'on oublie quand même, parce que le vrai journal en a fait écho. Lequel? C'est quand même dramatique. Je m'adresse ici à Citoyen Mbosso. Il y a quand même. Oui. Eric Wemba. Il a transformé. Je vous signale que. Attendez. Le président Mbosso, par ses services, m'a fait transmettre ce message. Au club, on les chauffe beaucoup, alors que lui, il est pour la concorde, là, au moins, la paix. Je n'ai pas amené les documents, mais je n'employerai pas les conditionnels. Qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur Mbosso qui a transformé l'Assemblée nationale au comité central du MPR. Non, pourquoi? Vous êtes comme les malins, madame. Oui, il est sérieusement menacé par une pétition. Mais pour séduire à peine 60 députés. Oui, 60 signatures, mais tout peut arriver. Parce que les gens, Mbosso, c'est vraiment les comités centrales du MPR. Comment ça, comité central? Moi, j'ai suivi les malins chez Perrault. Qui s'extasait complètement. Oui, moi, je vous dis, même les jours où il y a eu les débats sur la loi sur la CENI, l'honorable Sessanga, quand il a voulu faire des amendements, il a arrêté. Ado Salemba voulait parler, il a arrêté. Mbosso, Ado Ndombassi. Il a vraiment transformé l'Assemblée nationale au comité central. Mais pourquoi? Alors, les députés sont fâchés. Et cette pétition a la chance de passer. Nembalemba n'est pas seul. N'est pas seul. Il y a au moins, on m'a dit que c'est déjà 108 signatures. Tout le monde, même certains des unions, ça vous voulez faire peur à qui? Ne sont pas d'accord avec les méthodes de Mbosso. Mais vous voulez faire peur à qui? Ce que je déplore pour séduire les députés, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, il y avait des problèmes du scandale des chips ici. On a dit que tantôt, ce n'était pas un don. Maintenant, on doit importer ça ici. On a déjà importé cela. Mais Mbosso vient d'écrire au ministre des Transports pour solliciter les exonérations de ces chips-là. Il y a des frais qu'on devait payer à l'ex Onatra SPT. Mais on avait dit qu'on avait arrêté ces histoires d'exonération. Oui, mais justement, c'est quand j'ai dit c'est les déboires d'une alternance sans alternative. On a critiqué, tenté au livre, c'était des exonérations. Mais là,
Mbusu sollicite auprès de Chérubin Okengue pour obtenir des exonérations, pour que les députés ne payent rien concernant ces jeeps-là. Ah, c'est pour les bénir un peu. Oui, c'est une stratégie pour les séduire, mais il oublie que dans ces pays, les nantis, les plus nantis, la catégorie sociale la mieux payée, ce sont les députés. Et ces députés-là qui bénéficient des 70% du budget national et qui bénéficient d'une grande part du budget national doivent être exonérés. Pendant qu'un citoyen comme Israël Moukala, quand il doit importer, il doit payer. C'est quand même injuste. Comme vous avez la parole, gardez-la. Éric Wemba, Forum des As, non, toujours. Je suis directeur des publications du Vrai Journal. Ah, il faut corriger ça. Vrai Journal. Avec Tchani. Avec Tchani. Vous gardez la parole. La thématique de cette émission, c'est en prévision d'élection 2023, il y a comme une espèce de blocage d'un côté et forcing de l'autre. Blocage au niveau de ces confessions religieuses qui n'arrivent toujours pas à trouver le président, etc. On reporte, on fait des conciliambules, mais on ne voit toujours pas l'issue. Et de l'autre côté, il y a comme un forcing, on sent que c'est Kazadi, ou plutôt, oui, ça s'appelle Kazadi, n'est-ce pas ? Kadima, pardon. Déni ? Oui, c'est Kadima ou rien. On dit non, on connaît ça, la Senko s'était opposée comme ça, les CC comme ça, on va y aller comme ça, et au fur et à mesure, on va acter. On a vu l'ambassadeur Hammer chez Katumbi, à Kachobo là-bas. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon ? Est-ce que c'est un dialogue pour décrisper, ou bien on va y aller dans un forcing complètement, comme on a vu avec Dignan Sacré, avec la co-constitutionnelle, comme on l'a vu au niveau de l'Assemblée nationale, etc. On a mis tout le monde devant les faits accomplis. En réalité, s'il faut analyser ces dossiers de la CENI que j'ai suivi de très près, nous sommes rattrapés, nous tous là, que ce soit les pouvoirs de Tshisekedi, les FCC, même toutes les plateformes, nous sommes rattrapés par notre péché originel. Lesquels ? C'est-à-dire, notre péché originel, vous savez, à la table ronde de Bruxelles, il y avait des tables rondes, politiques. Économiques. Et économiques. On a jamais fait. Mais quand on a dit aux Congolais, voilà, les évoliers vont prendre la place des Blancs, oui. Tous ils sont partis. Alors, il y a eu des marches ici. Pour venir habiter à Kalina. Pour être là, c'est-à-dire, c'est ça. C'est depuis 60, les Congos, nous sommes généralement attrapés par ces péchés originels. Pour les problèmes de la CENI, il y a eu des marches ici, des marches anti-Malonda, les Congolais sont sortis de Nalari. Les gens sont morts. Les gens sont morts, vous-même, vous en avez été victime. Oui. Mais la revendication principale, c'était des réformes. Fort heureusement, à l'époque, il y avait un digne fils de ces pays qui avait réfléchi. Christophe Lutundu, là. Il avait déposé une loi. L'actuel ministre des Affaires étrangères. Oui, on a accusé Mabunda de violer cette loi-là, de bloquer cette loi. Mais maintenant, après ça, on a dit qu'il faut d'abord des réformes. Les groupes de G13 avec ces sangas, ils ont vite Tshisekedi des consorts pour aller vers les réformes. Mais arrivé à l'Assemblée nationale, au lieu de nous présenter une réforme, on nous a présenté plutôt une réformette. Parce qu'on a mis l'idée de la conservation du pouvoir. C'est-à-dire que cette réformette qu'on a présentée, on a régressé même par rapport à la loi de 2013 de Kabila. Et je l'ai dit l'autre fois là, à partir du moment où on a dit que c'est l'Assemblée nationale qui tranche, ça n'existait pas, ça, cette disposition-là. Donc, on laissait la latitude aux confessions religieuses. Non, quand on dit l'Assemblée nationale tranche, ça veut dire que les pouvoirs étaient dans la logique de créer des confusions partout. Parce que moi, ce qui règne au niveau des confessions religieuses, c'est entretenir. Volontairement. Bah, volontairement. Pour qu'au finish, l'Assemblée nationale puisse trancher. Mais maintenant, là, il fallait aller vers un forcing. On était convaincus qu'il faut amener les Congolais dans une élection à la soviétique. Où Tshisekedi. Vous avez le mot dur, hein. J'ai dit une élection à la soviétique où Tshisekedi sera proclamé haut la main. Parce qu'ils étaient en train de les dire qu'il va faire la remise et repousse avec Jésus-Christ. Oh. Tout le monde ici. Mais je crois que les rapports des forces. Ça, c'est l'idée PES parle. Tshisekedi n'a jamais dit ça. Ah non, mais. Il n'a jamais dit en ça. En tout cas, c'est l'étenant qui dit ça. Kabound continue à faire l'apologie de la conservation du pouvoir. Hein, mais pas le, plus qu'hier. Le pouvoir, on l'a pour conserver. Ah, mais oui, mais j'ai dit. On va dire, je vais laisser céder le pouvoir. Non, la philosophie même du pouvoir, c'est ça. C'est ça. Il y a la bonne manière de conserver le pouvoir, c'est de travailler pour le bien-être. Et le poids, pour vous, forcing ou pas ? Il y a forcing, mais je crois que les rapports des forces sont sérieusement en train de changer sur les terrains. Encore je crois que. Oui, parce que moi, j'ai dit l'autre fois là, avec Oussaï Dani Kadima, il faut y aller. Mais eux-mêmes sont en train de bloquer, alors qu'ils ont la possibilité de faire passer maintenant Dani Kadima. Parce que. Visiblement, les confessions religieuses, il y a blocage. C'est l'Assemblée qui tranche. Pourquoi on ne sort pas de Kadima comme on voulait, comme Tshisekedi voulait installer, comme l'Union sacrée voulait installer de Kadima comme un roi romantique, j'appelais Caligula, a installé son cheval comme président du Sénat. Mais ils avaient cette latitude-là. Ils ont ces pouvoirs-là, pourquoi ils ne les font pas ? C'est-à-dire que les rapports des forces sont réellement en train de changer sur terrain.
ils n'ont pas de schéma. Tantôt ils parlent du recensement, tantôt ils parlent du dialogue. On ne sait pas traverser. Mais j'ai dit ça. Pourquoi on bosse au train? Mais j'ai dit quand même à M. Tshisekedi, là où il commet une erreur, Kabila a organisé les dialogues lors de son deuxième mandat. On ne peut pas, dès le premier mandat, là, commencer à réclamer les dialogues. Il faut nous amener aux élections. Il faut nous amener aux élections. Les élections, c'est une exigence, c'est une obligation. Il faut qu'on arrête ces moments-là, c'est que Kabila bénéficie. Mais vous êtes en train de faire un faux procès à Tshisekedi. Non, ils n'ont pas. Tshisekedi, d'abord, lui-même dit qu'il va aller aux élections. Lui-même dit qu'il va les gagner parce qu'il a encore des choses à faire pour ce pays. Lui-même dit qu'il est habitué de la compétition. Où est le problème? Non, mais habitué de la compétition, quand on adopte des lois liberticides pour écarter tel candidat, on crée tel candidat, on met une loi sur la CENI taillée sur mesure pour des élections à la soviétique, c'est pas ça la compétition. Nous voulons une compétition loyale où ils doivent nous amener une offre politique. Ils ne veulent pas des élections inclusives, des élections avec des lois équitables. Nous sommes là vraiment dans un schéma, quelque part la soviétique. Mais ce que moi je vais dire simplement, c'est que je vais dire simplement au pouvoir, à ceux qui sont au pouvoir, que les élections ne sont pas la fin du monde. Nous avons vu ça en France, où c'est François Hollande n'a fait qu'un seul mandat. Mais les Zambiens viennent de nous prêcher un bel exemple. Parce que les gens sont à la folie aujourd'hui de démérer indéfiniment du pouvoir. Tshisekedi peut faire un seul mandat. Pourquoi vous lui refusez son deuxième mandat? Et sortir. Mais s'il veut un deuxième mandat, nous voulons des élections équitables. Oui, ça sera fait. 12 élections, mais justement, les décors est planté pour un coup de force électorale. Que la communauté internationale, l'Église catholique, les intentions. Ne sont pas prêts à cautionner. Alors, on ne peut pas être seul contre tout le monde. Alors, en cherchant à faire la remise et reprise avec... Avec le voyage qu'il vient d'effectuer, Allemagne, Italie... En pensant... Mais je ne sais pas, peut-être parce que... Vous ne voyez pas que tapis rouge toujours, hein? Non, mais je constate quand même peut-être qu'ils ont reculé parce qu'ils étaient vraiment déterminés avec leur coup de force. Je ne sais pas si ce qui s'est passé en Guinée, qu'on a créé des émissions... Arrêtez de penser comme Kabasuba. Non, je ne pense pas comme Kabasuba, j'ai dit seulement... Vous avez des soucis. Non, je ne pense pas comme Kabasuba. Merci beaucoup, Perro Louara. Jean-Marie Kassamba... Forcing ou pas? Bon, moi, j'ai trois façons de voir les choses par rapport à ces scénarios. Mais d'abord... Je voudrais ici rappeler à Eric Wemba que conserver le pouvoir, ce n'est pas un péché. C'est d'ailleurs dans l'objectif des partis politiques. Lorsque vous lisez l'histoire des partis politiques ou les objectifs des partis politiques, on vous dit qu'un parti politique est là pour conquérir, exercer et conserver le pouvoir. Le plus longtemps possible. Que Kaboud dise qu'ils veulent conserver le pouvoir et que même Tshisekedi dise qu'il veut conserver le pouvoir, on ne peut pas le lui reprocher. C'est naturel. Donc c'est naturel. Je ne vois pas pourquoi Wemba doit se sentir mal lorsqu'il lui dépêche, dit qu'il veut conserver le pouvoir. C'est naturel. C'est un parti politique, ce n'est pas l'armée du salut. J'aurai le temps de répondre. La manière de faire. En tout cas, même Macron veut conserver le pouvoir en France. Mais il ne va pas mettre des lois, je ne sais pas, à la dernière minute pour dire que tel n'est pas... La parole est ici. Donc, la conservation du pouvoir, Wemba ne peut pas reprocher à nos amis de l'UDPS. La manière de faire. De vouloir. Il parlait de la manière de faire. Pour conserver ses pouvoirs. J'ai parlé d'un état des droits qui est basé sur des principes que nous devons tous nous respecter. Et parmi les principes, il y a quand même un principe de présomption d'innocence. Monsieur Tshisekedi nous dit qu'il va organiser les élections. On le croit sur parole. Monsieur Tshisekedi, Jean-Marie Kassamba, sauf si Wemba me met sur la table des éléments qui prouvent qu'à l'heure où nous sommes, on veut repousser les élections. Je crois qu'on peut lui faire confiance par rapport à ses dires. Mais c'est vrai qu'il y a certains éléments, hein, il y en a quand même, certains indicateurs qui sont alarmants, qui peuvent amener tout Congolais conscient à se poser des questions sur la volonté du pouvoir à pouvoir organiser les élections en République démocratique du Congo. Mais dès là, déjà, conclure qu'ils ne vont pas organiser les élections, moi, je prends un peu de distance par rapport à cette manière-là de voir les choses. Je suis d'accord avec lui qu'il y a certains indicateurs. Nous sommes à 2 ans où on n'a pas encore une CENI établie, on n'a pas encore une loi électorale. Il faut faire la cartographie, il faut réviser les fichiers électoraux, il faut déployer les kits électoraux. Tout ça, lorsqu'on regarde un peu la lenteur dans laquelle nous sommes, on est en droit de se poser des questions. Est-ce mais là, contre qu'ils ne veulent pas, je ne suis pas là. J'ai comme l'impression que M. Tshisekedi dit où la République est en face d'un chemin à triple tête. Le premier élément, c'est que le régime peut se dire, nous faisons un forcing. Comme certains communicateurs et même certains bons de ces régimes font de la gestion de la res publica une question de comptabilité des ratés et des erreurs de Kabila, ils vont nous sortir de leur chapeau le fait que Kabila aussi a fait ça. À l'époque de Kabila, les catholiques et les CC avaient refusé, les 6 autres avaient accepté, Kabila est allé en force, nous faisons pareil. Et là, moi je serais malheureux. Ils ont raison ou tort? Je serais malheureux, je vais terminer ma réflexion. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nos amis de l'UDPS ne doivent quand même pas oublier
qu'ils ont été élus sur base des promesses de changement. Cette manière de faire, en prenant Kabila comme une référence, alors que pendant 18 ans, vous nous avez montré Kabila comme un Rwandais, comme un diable, comme un bandit, comme tout ce que vous voulez, vous arrivez au pouvoir, vous voulez justifier certaines actions que vous posez parce que Kabila l'a fait, je me dis alors pourquoi on l'a combattu? Pourquoi on a chassé Kabila? Si nos amis de l'UDPS faisaient ces forcings comme Kabila le faisait, si partis politiques, si confessions religieuses ont voté, nous allons, ça c'est la première hypothèse, je serais malheureux. La deuxième hypothèse, le président de la République peut se dire, je m'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis le fils de Tshisekedi Tshilombo, de l'Omouma, 37 ans de lutte pour la démocratie. Il peut donner des gages d'une élection apaisée et d'une élection qui n'est pas entachée de tricherie. Quoi faisant? En demandant par exemple aux acteurs de remettre tout carte sur table. À plat. À plat, on retire Denis Kadima. Pourquoi ce fixicisme sur Kadima? Pourquoi doit-on faire une fixation sur M. Kadima? Au Congo, il n'y a pas que Kadima qui est compétent. Il y a que Kadima. Non, il n'y a pas que Kadima qui est compétent. Il y a des compétences sur lesquelles on peut se dire, bon, écoutez, je vais faire les choses différemment du Kabila que j'ai combattu. Lui, dans les mêmes circonstances, passé en forcing. Moi, je suis le fils de Tshisekedi Tshisekedi. On arrête tout, on fait table rase. On retire Kadima sur qui pèse un certain nombre de choses. Je ne vais pas rentrer dedans. Et on repart à zéro. Troisième élément, ce que j'appelle le troisième larron. Si M. Tshisekedi ne prend pas cette option-là, il revient à la population de se prendre en charge. C'est là que moi j'en appelle... Qu'est-ce que c'est? Référendum? Je viens, j'en parle. Oui. C'est là que moi j'en appelle à la conscience des partis politiques et d'autres plateformes. Parce qu'à un moment donné, nous ne devons pas oublier que parmi les missions majeures des partis politiques, c'est aussi la conscience collective, de pouvoir créer une conscience collective, une morale commune pour nous tous, des visions communes pour nous tous. Qu'est-ce que nous pouvons dire? On ne peut pas bloquer la République. M. Tshisekedi veut aller en forcing et l'UDPS veut aller en forcing. Ok, on accepte Kadima, mais on prépare la population pour que la population défende ses élections. Que Kadima ne sorte de sa bouche que la personne qui a été élue. Si c'est M. Tshisekedi, que ce soit M. Tshisekedi. Si ce n'est pas Tshisekedi, que la population se prenne en charge. En ce moment-là, on débloquerait la situation. Ça s'est passé en Zambie, ça s'est passé ailleurs. Donc, voilà les trois hypothèses qui, à mon point de vue, sont sur la table. Soit le pouvoir dit que je fais du Kabila sans Kabila, soit le pouvoir joue la carte de la démocratie en disant nous sommes l'UDPS, on rabat toutes les cartes, on repart à zéro, soit alors le dernier recours qui nous restera, c'est le recours de la population qui doit apprendre à protéger son élection. Si c'est le président Tshisekedi qui sera élu en 2023, qu'on proclame le président Tshisekedi. Si c'est Martin Fayoulou, qu'on proclame Martin Fayoulou. C'est Katumbi, si c'est Katumbi, qu'on proclame Katumbi. Là, la responsabilité reviendra à la population. Et pour que cette population-là puisse avoir, je veux dire, cette responsabilité ancrée dans sa tête, ça c'est le rôle des partis politiques. Parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, bloquer la République. Merci beaucoup. Alors, Israël Moutala, vous êtes quand même en comptabilité des temps. Est-ce que les temps ne sont liés dans ces tergiversations? On voit qu'à l'Assemblée nationale, on tire les choses en longueur. Les confessions religieuses, à un moment donné, sont bloquées. Et le président ne dit rien pour le moment. J'aimerais d'abord, encore une fois, les faits. Où est-ce que se trouve le processus? Le blocage, où se trouve le blocage? C'est vrai qu'on émet des opinions ici, mais encore une fois... Fixons le débat. C'est encore la commission paritaire qui bloque aussi. Non, ça veut dire que les négociations, la commission paritaire, c'est déjà fini là-bas. C'est fini. Pas de problème. Oui, les problèmes, ça veut dire que les négociations d'abord ont échoué au sein de la majorité. Union sacrée. La délégation qu'a conduite Salomon Escadella, dans laquelle faisait partie Olivier Kamitatou, Kibala et Bolingetenge étaient ici. Les négociations s'étaient nées à Fleuve Congo Hôtel avec Kabound et les autres. Ça a échoué. Ça a échoué. Parce que les katumbistes veulent un poste au bureau. Et on leur a proposé un poste à la plénière. Ils n'en veulent pas. Et ils refusent même d'envoyer les noms sans savoir les postes. Voilà d'abord les faits. D'abord, il y a un problème au niveau de l'union sacrée. Les katumbistes se disent d'abord qu'ils ont payé le prix cher en venant dans cette alliance parce qu'ils méritaient d'abord 11 postes au gouvernement. J'en ai 5. Ils en ont 5.
La pilule n'est pas encore passée. C'est vrai qu'ils avaient déclaré qu'on n'était pas venu pour les postes, mais on connaît la... Non, ils ont quand même pris des postes. Et les postes en question aussi, ils disent que la façon dont les postes... Les contenus des postes. Non, les postes ont été attribués à des personnalités qu'eux n'avaient pas expressément désignées et tout ça. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et même la plateforme de Katumbi, ensemble, il y a beaucoup de tensions. Ça veut dire que si elle affronte la majorité actuelle, je ne pense pas qu'une bonne partie, elle va laisser de plus parce qu'une bonne partie de ses députés n'est plus en phase avec leur leader. Donc, ce sont les faits. Les députés vont quitter Katumbi pour absolument rejoindre Tshisekedi. Absolument. Katumbi sera de plumé. Absolument. Donc, ça sera. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut que Katumbi puisse peser le pour et le contre. Ça veut dire l'opportunité de briser une alliance avec Tshisekedi. Mais la menace avec la loge Tchani, là, il dit si jamais on l'inscrit, je quitte. Oui, d'accord. Ça tient encore ou pas? Oui, mais elle tient. Mais ils doivent peser le pour et le contre. Ils doivent peser le pour et le contre. Parce qu'ils doivent calculer un affrontement aujourd'hui avec Tshisekedi qui est au pouvoir. Qu'est-ce que ça va leur en coûter? Parce qu'on ne peut pas se mentir, il y a beaucoup de dossiers pour embêter. Katumbi. Pour embêter Katumbi. On embête Matata. Mais tous les gens qui ont géré le pouvoir, comme je le dis, dans ce pays, ils ont des casseroles. Dans une culture de prédation, dans une culture ambiante de patrimonialisation du bien public, si on gratte, on va fouiller. Et donc, si on gratte un peu chez Katumbi, on va forcément trouver quelque chose. C'est du chantage, ça. Donc, non, écoutez. C'est du chantage, parce Matata pour moi. Katumbi va se victimiser. Matata pour moi, oui. Qui est, si nous partons du postulat que tous sont mauvais, tous sont pourris. Oui. Matata, pour moi, qui est le moins mauvais. Le moins mauvais de tous. Le moins mauvais de tous. Il est embêté. Est embêté. Et donc, j'imagine que quand je vois la gouvernance de Katumbi, la gouvernance de Mouzitou, la gouvernance de tout. Il y a beaucoup de leaders politiques. Mmh. Et donc, si on gratte forcément, on va trouver. La gouvernance de Bemba. Donc, si on gratte, on va trouver. Mmh. La seule personne clean aujourd'hui, c'est Martin Fayoul. Bon. Et donc, si on gratte un truc, tu fais ça, Fadenhaus. Non, ça veut dire, c'est un truc privé. Non, Fadenhaus. Avec les fils, non, le fils, non, c'était politique. C'était politique. Mais tout est politique. Non, Fayoulou, c'était politique. Quand on avait scellé Fadenhaus, c'était politique. Donc, c'était politique. Et donc, moi, je dis aujourd'hui, les katumbistes doivent peser les pour et les contre d'un affrontement avec Tshisekedi. Et donc, le premier blocage se trouve à ce niveau-là. Le deuxième blocage se trouve au niveau de l'opposition. L'opposition, il y a deux pans, l'opposition institutionnelle et l'opposition non institutionnelle avec la Mouka. Là aussi, il y a un problème parce que le PPRD ne veut pas envoyer des délégués. Deuxième blocage. Les autres aussi, la Mouka dit, on ne va pas envoyer des délégués dans ces conditions, il faut un dialogue. Donc c'est mal barré, si on comprend bien. Je suis en train de montrer d'abord les blocages. Oui. Troisième niveau de blocage, au niveau de la société civile. Il y a deux pans de la société civile. Les ONG de droits de l'homme, les ONG d'éducation civique, les ONG qui s'occupent de la question de genre. Et aussi, il y a des problèmes là-dedans. On s'entraccuse de manipuler, de faux PV et tout ça. Après, il y a aussi les confessions religieuses où, justement, il y a le groupe de six contre les deux. Vous voyez que la question est complexe pour trouver... Qu'est-ce faire, alors? Tu sais qu'est-ce qu'il va faire dans tout ça? Mais ici, en principe, à ce niveau, où est le problème de ce qu'il dit? Il intervient à quel moment ici? Parce qu'on avait dit... Ben, il est le garant du bon fonctionnement. Mais où est le PV, justement? Moi, je vous dis, attendez, quand il a bloqué, Tshisekedi a bloqué en juin de l'année passée, il a bloqué, n'est-ce pas? Mais parce qu'il y avait un rapport. Quand l'Assemblée nationale a dit... Malonda. Malonda, ils ont envoyé leur CV, l'Église catholique et les autres ont fait pression sur le président... Et ils ont fait capoter. Et ensuite, il y avait des manifestations de rue. Donc là, aujourd'hui, on est en plein blocage. Et donc, le temps passe et ça veut dire qu'il risque d'y avoir glissement. Wemba a parlé tout à l'heure de réformes qu'il fallait privilégier. Mais ces réformes-là, il faut les mettre en œuvre avec une équipe. Quand on avait posé la question aux confessions religieuses, on commence par les réformes ou on commence d'abord par nommer l'équipe dirigeante. Ils ont dit non, faisons l'équipe dirigeante. J'étais avec toi ici, vous avez soutenu qu'on pouvait aller comme ça. On va suivre. La première émission que j'ai fait ici, vous avez soutenu qu'on pouvait aller comme ça. Moi, je ne parle pas de mon point de vue. Oui, moi, je donne les faits. J'ai dit que non, quand la question s'est posée, réforme d'abord ou d'abord désignation des animateurs. L'Église catholique et les autres
ceux qui devaient piloter, ils ont dit, on fait d'abord les... on désigne, et après on va faire les réformes avec. Mmh. C'est ça le problème. Alors, est-ce que c'est le président Tshisekedi qui avait dit, on commence par la désignation des animateurs, pour qu'aujourd'hui, quand ça bloque, alors qu'il y a, quand ça bloque pour leur désignation, pour qu'on lui impute la... Voilà, j'aimerais, je situe les faits. Donc, je situe les faits. Ce n'est pas le président Tshisekedi. Les processus ont été pilotés par Mbosso. Ne nous voilons pas la face. Mbosso ne peut rien piloter sans l'aval de Tshisekedi. Aujourd'hui, tel que Mbosso est là. Ah, d'accord. Donc, non, mais attends, quand Mbosso, quand on répartit. Réalité, attends, c'est quand on vote. Attends, s'il te plaît. Non, attends. Parce que Eric, quand il n'y avait pas attends, des électeurs, c'était Kabila. Non, non, attends. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez. Eric, je te réponds. Quand on s'est réparti les postes au bureau, c'est Tshisekedi. La stature des Katumbistes est là-bas, c'est Tshisekedi. Là, vous êtes dans une autre étape. Ah non. Mais je suis au niveau des confessions religieuses. Oui, au niveau des confessions religieuses. C'est un processus piloté par Mbosso avant les réformes. Et j'ai dit que Mbosso ne pouvait rien faire sans l'aval de Kabila. C'est là où moi, les confessions religieuses se sont laissées piéger. Parce que les pouvoirs. Parce que vous voyez même, il y avait une réforme, une loi qui existait. Passons par là. Lutundula, et cette loi avait un esprit. Et cet esprit a été complètement charcuté. Malheureusement, les vieux Lutundula, vous le bombardez au ministère des Affaires étrangères, il était incapable de. Mais la loi est passée à l'Assemblée nationale. La loi en question, mais c'est qui? C'est Mbata, c'est Mbosso, c'est Kabound. Donc, ils ont mis en place une commission. Ensemble a voté ou on n'a pas voté cette loi. Ensemble a voté ou on n'a pas voté cette loi. Ensemble, je ne sais pas de l'Isi Sangue, je ne sais pas de quel ensemble vous parlez. Il y avait des députés de l'ensemble qui n'étaient pas d'accord. Oui, mais il y avait. Mbosso, il n'y avait même pas des amendements. Oui. Un passage en force. Je suis d'accord. Alors, mais ça a été voté ou pas? Quelle est cette force politique aujourd'hui de l'Union Sacrée qui avait dénoncé cette loi? Moi, je ne suis pas d'accord avec Israël. On a l'étape d'appliquer la loi. C'est l'Union Sacrée. Non, commençons par les présidents. Les présidents, il n'y a pas Katoum. Est-ce que c'est le président qui vote cette loi pour désigner les présidents de la CENI, c'est pas Katoum. Non, mais attendez. Il y avait des confessions religieuses, ils ne se mettent pas d'accord. Votre propre loi dit, en cas où ces confessions religieuses ne se mettent pas d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui tranche. Non, mais je suis quand même assez scandalisé que l'Assemblée nationale, jusque-là, ne tranche pas. Déboine à ces points le président de la République dans ces processus. C'est tout simplement de l'hypocrisie, cher ami. Pourquoi? Quand il dit où est le problème de M. Tshisekedi, vous pensez que ces processus éminemment politiques de la mise en place de la CENI peut se faire loin du regard et de l'intervention d'une certaine manière du président de la République? Pourquoi quand ça a bloqué hier, c'était Kabila? Quand ça bloque aujourd'hui, vous voulez dire où est le problème de Tshisekedi? Mais c'est lui le président de la République, monsieur. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous n'allez pas nous faire croire ici, sauf si on est des petits-enfants qui viennent à peine de naître, que le pouvoir en place ne regarde pas, d'une certaine manière, le processus de la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante. C'est comme ça que moi, j'ai tiré la responsabilité du président de la République. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Merci si ça bloque, c'est lui. Merci. Donc moi, non, je trouve... Ça veut dire que quand ça je trouve que c'est jouer tout simplement de l'hypocrisie ici, oui, que de nous poser la question de savoir où est la responsabilité de M. Tshisekedi. C'est lui le président de la République, il a une casquette du président, il a une casquette des politiques, et la mise en place de la CENI est un processus éminemment politique, ça ne peut pas se faire. Lui-même qui avait sollicité les réformes, il a promulgué cette réforme. Le problème, c'est pas hypocrite. Ce n'est pas une question d'hypocrisie. Quel est l'acte qui va poser? Vous avez dit, on a dit dans la loi, que pour désigner les animateurs à tel niveau, chaque composante, il y a un processus qui est conduit par les confessions religieuses. Mais dites-moi honnêtement. Sonny Kafuta vous dit qu'on nous a donné des jeeps et des 50 000 dollars. Qui avait donné à l'époque? Lorsqu'on vous dit, les confessions religieuses eux-mêmes, ils vous signent un communiqué en disant « Nous subissons des pressions ». Qui fait subir ces pressions? Vous pensez... Quand on a posé la question, vous pensez que la prise de position de ces six confessions religieuses est neutre? Vous pensez que Dodo Kamba décide de lui-même? Attendez, Israël. Mais donne-nous les éléments, les faits. Donne-nous les éléments. Mais c'est de la politique. Quel élément tu veux? La politique, moi, je ne sonne pas les cœurs et les reins ici pour savoir qu'il reçoit des ordres. C'est pas déjà derrière quand même. Tu veux me faire croire que la position de ces six confessions religieuses, dont on connaît généralement dans ces processus-là, qu'ils ont, ils sont toujours aux côtés du pouvoir. Dans ce cas, on a crédit. On a crédit aussi. On a crédit aussi la thèse que derrière les confessions religieuses aussi, c'est Katoum. Voyez-vous, c'est ces raccourcis. Ça veut dire qu'on dit que non, Katoum et les églises catholiques roulent ensemble. Voyez-vous, ce sont ces raccourcis-là. Est-ce que Katoumbi, il y a une connexion entre Katoumbi? Est-ce qu'il y a une connexion entre Lamouka Fayoulou et l'église catholique et Ambom? Voyez-vous, c'est ces connexions-là. Moi, je reviens. Que je dis, Tshisekedi n'a pas compris. Tshisekedi a engagé à appeler les G13. Moi, j'étais là. J'ai conduit cette délégation des G13 au niveau de la présidence. Tshisekedi a manifesté sa volonté d'aller vers les réformes. Mais à partir du moment où on lui a présenté une réformette, où on a même régressé, je parle d'une disposition
qui ne vous répétez pas. Je ne vous répète pas, mais Tshisekedi avait la possibilité de renvoyer cette loi à une seconde lecture. Pourquoi il l'a promulgué? C'est là où il a la responsabilité. Merci politique. Beaucoup. J'aimerais qu'Yves Bouya. Il a été voté par votre candidat. Oui, il avait la possibilité. Merci beaucoup. Yves Bouya. Pourquoi on n'a pas eu garant des propositions? Écoutez, moi je suis très content que ces combats sur les bonnes élections gagnent du terrain dans les débats politiques. Hier, on a subi. Mike Hammer. Donc une dominance politique du régime de Kabila qui s'accaporalisait des institutions politiques. Il avait la CENI, il avait la Cour constitutionnelle. Maintenant, Kabila est parti. Nous avons au sommet de l'État un parti politique qui a milité pendant 37 ans pour une démocratie. Maintenant, c'est des faits qu'on donne à Tshisekedi. Israël parle de la responsabilité politique de Tshisekedi. Tshisekedi a une part de responsabilité là-dedans. Quand il n'y avait pas consensus du temps de Ronsard Malonda et de Mabunda, Tshisekedi avait écrit à Mabunda. C'est ça la responsabilité politique. Il avait dit, comme tout, il n'y a pas consensus au niveau des confessions religieuses. Ça, c'est la lettre du président. La lettre du président qui date du 13 juillet. Elle fait jurisprudence? Mais oui, avec les cas que nous avons ici, elle fait jurisprudence. Là, le président a pris sa responsabilité. Mais il y avait une motivation. Non, mais écoutez. Il a pris sa responsabilité. Et puis, il n'y avait pas manifestation dans la rue. C'était l'UDPS. Pour fouiller la tête de Malonda, l'UDPS dit non, si on nous fout Malonda là-bas, c'est que nous, Tshisekedi ne va pas remplir pour un second mandat. Nous devons nous opposer à Malonda. Ce n'était pas la rue, c'était l'UDPS. Alors, quand le président voit ses intérêts menacés, l'UDPS voit ses intérêts menacés, le président écrit pour dire non, il faut stopper. C'est là où j'ai dit au président de la République de n'être pas partisan. Parce que nous sommes dans les mêmes contextes, dans les mêmes cas de figure. Nous avons les G6, comme l'a dit ici, qui ont adopté une candidature, et les G2, les confessions religieuses, les CC, l'Église catholique, qui disent non. Mais moi, je veux voir le président de la République écrire à Malonda aussi. Plutôt à Mambozo pour dire non, voilà comme il n'y a pas consensus. Mais on va perdre du temps encore. Oui, mais Jean-Marie, j'en viens. Moi, j'ai dit, je suis très content que ces débats aujourd'hui puissent dominer la classe politique. C'est pourquoi? Ces débats dominent la classe politique, pourquoi? Pour des bonnes élections. C'est ça le combat de la classe politique aujourd'hui. Mais est-ce que Mike Hammer a raison en visitant Katumbi en disant on veut des bonnes élections en 2020? Jean-Marie, c'est pas question de Mike Hammer, c'est nous-mêmes Congolais. Wemba vous a dit ici, c'est Congo, c'est depuis 60 que nous connaissons des crises politiques au lendemain des élections. C'est depuis 60. 2006, Maluma commence à proposer le programme des élections dans un char entouré par des militaires. 2011, moi je l'ai dit, je suis journaliste, j'ai couvert la campagne de l'UDPS. Tu sais qui nous a gagné des élections en 2011 ici? Kabila est resté parce qu'il avait caporalisé les institutions. En 2018, on a un Fayoul où il y a un deal au sommet de l'État. Et puis après, en 2023, on ne veut pas de ça. Les gens sont clairs, les gens disent oui, on veut des élections. Où est-ce qu'on doit commencer? Pas pour des bonnes élections. D'abord, c'est la CENI, les institutions. Qui dit institution, c'est des lois. Des lois fortes, non des individus. Moi, je suis offusqué, je vois, au lieu de nous parler consensus ou des réformes. On parle des Kadima. On nous parle des Kadima d'abord, qui jouent à la victimisation, que son patronyme posait problème, qu'il avait une forte expérience qui dépassait tous les candidats. C'est pas ça. C'est d'abord les lois, les vraies lois. Éric Wemba dit ici, la loi Lutumba, qu'est-ce que nous allons faire avec? Il propose une loi, on extirpe le tout-là du Parlement. On l'envoie vite au gouvernement. Mais la loi électorale pour qu'il se taise. Pour qu'il se taise. Maintenant, on est là. Tshisekedi dit président de la République, qui se sent. J'ai dit, les bilans, nous avons parlé des bilans ici. Les bilans est une nécessité, Jean-Marie. Un parti plus caporalisé, demeurer pendant l'autopouvoir, pouvoir, mais un second bilan est une nécessité. La nécessité, c'est les bilans. Qu'est-ce que vous avez offert aux Congolais en termes de gestion? Jean-Marie, il faut laisser ça. Gratuité, l'enseignement. Non, Jean-Marie, il faut laisser ça. Dans un état de droit, on destitue un gouverneur dans une assemblée provinciale, on ne l'écoute même pas. Jean-Marie, aujourd'hui on ne peut plus Jean-Marie, comme avant. Je dis ceci, le second mandat est une nécessité. L'IDPS comprend, l'IDPS voit les choses venir. Moi je ne veux pas, Perrault a fait de très belles analyses ici, mais moi je suis dur et catégorique, l'IDPS sans son échec.
Arrêtez d'être aussi fataliste comme ça. Jean-Marie, je ne suis pas fataliste. Mais oui, mais parce que vous êtes... Il y a déjà deux ans, Jean-Marie. Des réformes électorales. Écoutez, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Yves oppose la désignation des animateurs. On avait dit ceci. On désigne les animateurs, mais on fera une autre loi. Il y a deux lois. Il y a la loi organique, mais il y a la loi électorale. Dans la loi électorale, justement, on peut faire ces réformes-là voulues. Jean-Marie, c'est ça le problème. Les problèmes, c'est lesquels, Jean-Marie? On opposait la désignation aux réformes. Il faut caporaliser les institutions. Qui caporalise? Mais c'est les pouvoirs en place. Mais ça, c'est de procès d'intention. Non, pas procès d'intention. Les faits sont là. Personne ne suit les débats à la télé. Jean-Marie, ça va à l'époque des caméras et tout le monde suivait l'Assemblée écoutez, nationale. Écoutez, les faits sont là, Jean-Marie. Au nom de quoi, monsieur le président de la République, nous a-t-il placé le professeur Kalouba là-bas? Mais non, Kalouba, c'est l'un des meilleurs professeurs. Mais qui a donné. Mais qui a permis à Tshisekedi d'obtenir cette majorité de l'Union sacrée? C'est Kalouba. Comment ça, Kalouba? Via l'interprétation de la lettre des Mbosso sous les mandats des députés. Mais ces élus, ce ne sont pas des robots. C'était pas les droits, c'était la politique. C'était pas des robots. Non, c'était pas. L'adhésion à Jean-Marie, Jean-Marie, je peux parler. Ça, c'est pas les droits. Oui. Ça, c'est la politique. Tu sais qu'il voulait une majorité. Il y a une lettre des Mbosso. Mais je vois pas la part de Kalouba là-dedans. À la Cour constitutionnelle. Oui. Les mandats des députés sont non impératifs. En pleine législature, les députés changent de casaque. Nous avons eu cette mutation politique. Et ça, ça a ouvert les yeux aux autres formations politiques. À la Mouka qui, depuis longtemps, exigeait des réformes. Un consensus déjà. Fayoulou dit-on, depuis mars, je crois, 2019, disons, non, il faut un consensus. Parce que si on ne le fait pas, nous allons rentrer dans ce cycle infernal des élections mal organisées. Non, on n'est pas dedans. Mais non, la classe politique observe les pouvoirs, les systèmes, tu sais qui dit. Qu'on peut il y a le système Tshisekedi. Oui, mais c'est que le président de la République incarne. Perrault l'a dit, très bien dit ici, que M. Tshisekedi, président de la République, incarne tout un système. Ça, il faut le dire. Lequel de système? Non, le système. La démocratie. Non, on peut le dire démocratie, dictature, mais il incarne le système qui est en place. C'est comme Kabila qui incarnait le système d'hier. C'est ça. La classe politique observe, voit, dit non, on veut aller aux élections, on veut nous placer qui? Kadima. Mais quand les gens graturent Kadima, mais c'est quoi l'acharnement sur Kadima? C'est pas un acharnement, Jean-Marie. Il y avait aussi l'acharnement sur Malonde. C'est quoi l'acharnement sur Kadima? Il y avait aussi l'acharnement sur Malonde. C'est autant congolais que tout le monde. Malonde aussi l'était. Écoutez, on ne veut pas de ça. Ça, c'est on ne lui en veut pas. Malonde aussi l'était. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé de la caporalisation des institutions. Vous parlez des experts. Qui était Ngoï Moulunda? Expert aussi. Qui était Corneille Nangaa? Expert aussi. Qui était Malouman? Expert aussi. Mais ils ont produit quelles élections? C'est là où moi j'ai rejoint la position de l'Église catholique. Il faille trouver cette personne qui a du courage de dire que c'est mais Israël. Mais est-ce que Kabouyana n'a-t-il pas raison de dire Cholé ou Tembi, mais même surtout Ambongo, sont manipulés? Ils ont même déjà, ils sont en incontence, etc. Jean-Marie, moi je ne vous parle pas de la manipulation. Moi je vous ai parlé ici, je vous ai développé une thèse des bonnes élections que veut la classe politique. Donc tous, les bonnes élections, c'est des élections contrôlées par la Mouka? Tous, nous, non, pas la Mouka. Le FCC, l'Union sacrée. Les bonnes élections, j'ai les bonnes élections mais, Jean-Marie. Le problème, des que... bonnes élections. Laissez-moi chuter. Oui? Quand les gens observent Denis Kadima, les gens se disent, ils enquêtent. Ils disent, non, ce monsieur est très proche du pouvoir. Non, quoi? Le procès d'intention. Il n'a pas un procès d'intention. C'est un expert. Il a travaillé dans une structure. Laissez-moi parler. Jean-Marie. Mais chacun toujours. Jean-Marie. Il n'a même pas tout le monde. Jean-Marie. Qui ont soutenu un moment ici, Ronsa Malonda? Qui avait porté? Quelle est cette église qui avait porté la candidature de Ronsa Malonda? Mais quand ils ont compris que Kablé n'est plus là, c'est Tshisekedi qui est là. Ils ont lâché Malonda, bien qu'ils ont fait. Jean-Marie, laissez-moi parler. Oui. Ce que je dis, c'est extrêmement intéressant. Ils ont vu que Tshisekedi n'est plus là. Que Kabila n'était plus là, Tshisekedi là. Nous, Kimbanguistes, nous roulons toujours avec l'autorité établie. Jean-Marie, ils ont abandonné Ronsa Malonda. Maintenant, après, qui porte Denis Kadima? Moi, Bouya, j'étais là, Jean-Marie. J'ai cherché des preuves.
J'étais sur un plateau avec Israël ici. Israël m'a dit, mais il faut chercher des preuves et tout qu'on sort. Tu sais, j'avais très mal dormi, Jean-Marie. Ah oui? Je me dis, mais c'était quoi la preuve pour moi? Oui. C'était quoi? J'ai très mal. Mon épouse m'a même dit, mais Bouya, pourquoi tu ne dors pas? Oui. Mais la preuve sur Denis Kadima. Mais je me réveille matin, oui. 4 jours après mon débat avec oui. Israël, oui. Je vois le chef religieux qui m'angouiste. Qui dit quoi? Qui dit, non, nous, on nous a demandé de chercher un candidat. Nous, les Kimbangustes, nous avons levé l'option des Denis Kadima. Pourtant, aucune confession religieuse, même les G6, n'avait présenté, dit les noms d'un candidat. Mais la signification de ça, c'est quoi? Ça signifie quoi? Oui. Que l'église catholique, l'église Kimbanguiste, oui. roule toujours avec les pouvoirs. Ça signifie quoi? Que Denis Kadima, le fait que l'église Kimbanguiste ait dit que Kadima était leur candidat, donc, c'est le candidat du pouvoir. C'est ça. Un Kassaïen soutenu par le Moi, je ne veux pas entrer dans les problèmes des Kassaïens. Moi, je vous parle des acquaintances du M. Denis Kadima avec les pouvoirs. Donc, on a sous-traité les Guimaristes. Pour éviter cela, Jean-Marie, c'est quoi? Oui. C'est question de bon sens. C'est-à-dire? Les bons sens, c'est quoi? Dites-le. Pour éviter les erreurs du passé. Faire ce que Perrault aura dit. Oui, pour éviter ce que Perrault dit. Kabila ici. Oui. Nous devons avoir ces sursauts patriotiques. En faisant quoi? Les sursauts patriotiques, c'est quoi, Jean-Marie? En faisant ce qu'il a dit. La Mouka avait déjà dressé ici un plan de sortie des crises sur des réformes. Pourquoi vous faites toujours référence à Jean-Marie, je parle. Laissez-moi analyser. L'FCC Israël a dit qu'il est la deuxième force parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Qui dit... À défaut de ce large consensus, nous n'enverrons pas nos délégués. C'est très clair. Ça bloque. Ça bloque. L'UNC, les katumbistes qui bouffent avec Kabila, avec Tshisekedi, la l'Union sacrée, vous disent, non, on ne peut pas, il faut un large consensus. La mission a échoué. Oui, il faut un large consensus. Toutes les confessions religieuses ici, les plus grandes confessions religieuses, ici, je parle de l'Église catholique et l'ECC, parce que Dodo Kamba ne siège pas aux Nations Unies, vous disent, ici, non, c'est, je vous dis, l'État Vatican, vous savez. Vous minimisez la force des Églises des rebelles dans ce pays. Jean-Marie, Dodo Kamba ne siège pas aux Nations Unies. Ils ne sont pas amicaux. L'État Vatican siège aux Nations Unies. Oui, mais pas pour... Écoutez, l'État Vatican siège là-bas. Donc, si on veut bien, on a ces sursauts patriotiques, on peut toujours sauver ces processus électoraux. Comment? On est là, nous sommes à 6 mois, 7 mois de la fin de l'année. Mmh. On discute sur ces consensus. C'est-à-dire, mais Jean-Marie, des discussions pas pour un glissement, mais pour sauver 2023. Oui, en faisant quoi? Oui, on discute et tant que fils c'est du pays. C'est-à-dire, soyez clair. On discute, non, on discute un dialogue, pas pour un glissement. Pourquoi? J'ai nuance. Pour sauver 2023. Il y a des institutions. Je dis bien, Jean-Marie. Et les institutions ont échoué. Jean-Marie, les institutions. On n'a jamais réussi à faire la commission, Jean-Marie, la commission paritaire qui a siégé au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. L'opposition n'a pas siégé. Les députés ont siégé sans l'aval de leur groupe parlementaire. Ça, c'est sérieux. Mais Moutal a dit tout à l'heure que même les gens qui sont avec Katoumi sont prêts à partir. Ça, c'est sérieux. Sont partis à aller. Qu'est-ce qu'on peut faire pour chuter Jean-Marie? Oui. On discute. Mais sur ces consensus, sur les réformes, mais pas sur les réformettes. C'est qu'il y a, Jean-Marie, on peut élaver cela sur les réformes. On envoie au Parlement. Le consensus. Parce que le problème, on envoie au Parlement. On discute. Laissez-moi finir. On a déjà compris l'idée. C'est juste de vous te poser la question de savoir comment on arrive à ce consensus dans un pays où on n'a jamais trouvé de consensus. Non, je parle du sursaut patriotique. Ça peut toujours arriver. On a trouvé un consensus lors de la CENCO, non? Non, jamais. Il y avait une partie qui s'était opposée. Non. C'est Kabila qui avait mal exécuté ça. Il y avait un consensus trouvé. Mais à quoi ça sert? C'est question de volonté politique Israël. Mais à quoi ça sert de trouver un consensus qu'on va bafouer après? Non. C'est ce que je dis. On est allé aux élections ici, la machine a voté, on l'a boycotté jusqu'à la veille des élections. Donc les élections qu'on a faites en 2018 ici, il n'y avait pas consensus. En 2011, il n'y avait pas consensus. En 2006, il n'y avait pas consensus. Donc, alors, aujourd'hui, donc vous pensez le forcing. Faire le forcing, c'est ça. Vous pensez le forcing. Non, je suis en train de dire à Yves Mouya de ne pas être trop idéaliste en disant que la classe politique congolaise n'a jamais, elle a toujours été divisée par ses intérêts. Donc, ils n'ont jamais trouvé de consensus. Vous pensez le forcing. Non, je ne conseille pas le forcing. Je suis d'accord pour, à principe, qu'on trouve un large consensus. Mais je me dis... Je convoque l'histoire et l'histoire me dit qu'on n'a jamais trouvé de consensus. Donc, voilà. Les conseils qui disent pourquoi... à Tshisekedi, on tient les bons bouts de la corde, ils font du bruit, à un moment donné, ça va passer. Ils ont raison. Le problème, c'est que tout se joue dans la rue. Dans la rue. Les rapports politiques
Les rapports politiques s'inversent dans la rue. Ce qui veut dire qu'IDP se mettra les gens dans la rue. Nulle part ailleurs. Pour soutenir. Les gens qui ont la capacité de mobiliser, c'est ça. Ça se joue. Qui vont imposer. Mais comment on va mobiliser? Parce que Malonda est parti. Il y a eu des manifestations de rue, il y a eu mort d'homme. Oui. Et ensuite, l'Assemblée nationale avait fait un PV, il a envoyé au président. Et le président a refusé d'entériner. Oui. Mais il y avait d'abord des manifestations monstres ici dans cette ville. C'était l'UDPS. Oui, d'accord. C'était l'ensemble de l'UDPS. Aujourd'hui, mais oui, c'était l'UDPS. D'accord. Qui avait saccagé au Parlement. C'était l'UDPS. Parce qu'il ne voulait pas de Malonda. Parfait. Donc, à l'époque, la Mouka voulait de Malonda. Non, ensemble, voulait de Malonda et tout ça. Aujourd'hui, c'était l'UDPS. Excusez-moi, la question. Moi, je ne comprends pas. Israël, c'est quelqu'un de très licite. Aujourd'hui, vraiment, j'ai du mal à le saisir. Parce qu'à un moment donné, il a dit non, si vous faites, c'est que moi, j'ai voulu passer ça, mais je dois revenir. Il dit si vous faites, même Katumbo peut fouiller. C'est-à-dire, implicitement, Israël donne sa caution à un coup de force. Non. On se met là à rouiller des dirigeants pour les écarter. Éric, parce que je rappelle quand même à Israël. Katumbi, Katumbi sous Kabila. Moi, je vous informe, on a cherché, on a fouillé, on a rien trouvé. Éric, s'il te plaît. Éric, s'il te plaît, j'avais la parole. Je dis ici clairement. Je veux pas. Si tu m'entraînes sur ce débat, c'est un débat très dangereux. Je dis ici que nous sommes dans une culture générale en Afrique et au Congo, ça n'échappe pas. Une culture de prédation des deniers publics. Et je ne peux pas trouver un seul homme public même ici au Congo qui est clean. Oui, qui est clean. Même au pouvoir aussi actuellement. Oui, On a vu des gens qui sont passés des S'il te plaît. Tu vois maintenant là que tu parles du. Moi, je te dis que je n'exonère personne. Et je dis ici, et je le dis encore, j'ai parlé des Fayoum. Moi, je suis un homme équilibré. Je dis que la seule personne clean à ce stade, vraiment, c'est Fayoum. Donc, pour te dire que je ne vise pas, je suis en train de dire que les rapports de force ici vont se jouer dans la rue. Mais je ne dis pas, si par exemple demain, on a 100 000 personnes dans la rue, quel que soit le plan concocté par le pouvoir, ils vont reculer. Ça veut dire que, Mais est-ce que moi je te dis que la rue, c'est exactement Kinshasa? Qui t'a dit ça? Moi je parle de ça. Alors, moi je dis encore, le problème, c'est que. Non, attendez, je termine par là. Oui. Je dis ceci. Après, moi, on est en train d'opposer Kadima aux réformes. Il peut être là. Et on contrôle la loi. Parce qu'aujourd'hui. La loi, elle est déjà là, on va contrôler ça. On a régressé par rapport. Il y a la loi, la loi électorale. Est-ce qu'on a déjà voté la loi électorale? Avec ce parlement des mots, vous attendez à l'élection. D'accord. Je vais dans la logique. Jean-Marie, attends, s'il te plaît. Avec Kaboum des mots, on va vous offrir des autres réformes. Donc on change Mbosso, on change Kaboum, c'est ça. Alors parce que si on met maintenant Wemba comme président de la CENI, d'accord, est-ce que la nouvelle loi électorale, tu es sûr que maintenant, toi, comme tu seras président de la CENI et la loi te sera. En ta faveur. C'est ce que je dis. La loi électorale qui n'a pas encore été votée. Tu vois que la loi était pour contrôler la CENI. Je dis que la nouvelle loi électorale. Pourquoi tu restes sur la loi organique? Je dis que la loi électorale. On a déjà donné un mot ici. Merci Israël. Alors, mais si on change de président, est-ce qu'il y aura une loi? C'est sursaut patriotique. En quoi faisant? Non, mais jamais. En suivant les schémas de Péro-Loire. Oui, ils peuvent faire ça. C'est possible. C'est des dignes fils du pays. Oui. C'est des Congolais. Où est la bonne foi? Non, la bonne foi. Parce que Katumbi envoie ces gens. Non, Jean-Marie, ici, sous Kabila, en 2016, je crois, on a trouvé un accord. L'accord de la Saint-Sylvestre. Mm. Ils se sont mis d'accord, ils ont discuté entre les Congolais. Ils se sont mis d'accord, ils ont parlé. Ils peuvent parler. Ils se sont mis d'accord parce qu'il n'y a pas eu de Premier ministre. Je te dis, non, c'est Kabila. Non, c'est Kabila. Mais tu ne peux pas déjà parler. Allez-y, terminez. C'est Kabila qui a très mal utilisé cet accord. C'est Kabila, mais les Congolais s'étaient mis d'accord entre eux, ils ont discuté. Moi, l'UDP sauver ça. On peut laguer cette question de consensus de la CENI pendant cette année. L'année 2022, Nicolas Kazadi et Patrick Mouyaya ont tenu une conférence de presse. J'ai posé une question. Ils ont dit qu'ils épargnent déjà pour les élections. Ça signifie quand il est dit, c'est qu'il y a déjà des gens qui mettent des côtés. On peut faire de l'année 2022 une année purement électorale. Les fichiers électoraux, Perrault l'a dit ici, les kits, l'identification de la population, on peut le faire. En six mois, on peut le faire. Vous voulez toujours intégrer Fayoul dans la dynamique? Non, je ne parle pas Fayoul. Jean-Marie, je ne parle pas Fayoul, je parle Congo. Moi, je parle Congo. Oui, mais on peut les faire. Réformes, c'est qui? Non, les réformes, il a commencé, c'est là. Oui. Mais c'est devenu un langage politique pour tout le monde. Donc, en 2023, on peut le faire. Pour shooter, Israël a parlé ici de la rue. Mais comment est-ce que la rue peut parler? Déjà, quand l'opposition annonce des marches, on a un gouverneur qui est déjà partisan. C'est grave, ça, Gombila. Nous sommes dans un régime d'information, non d'autorisation. Ici, vous dites que la Mouka est Koufa, la Mouka n'a plus de force sur terrain, mais que la Mouka n'est pas de force. La Mouka est Koufa et Polanango. Mais les mettez-les sur terrain, vous avez force d'abord. Mais
mettez-les sur terrain, laissez Fall Moulzout mobiliser. Mais quand l'opposition vous... Et puis Jean-Marie, c'est grave. Je vous dis, Jean-Marie, moi je vous le dis, du temps des Kabila, c'est que tu sais qu'il fait, ça c'est grave. Il a fait quoi? Pour un pouvoir né de l'opposition. Oui, alors? Depuis qu'il est à l'opposition, ne mène plus ses activités. Comment ça? On a vu l'FC se manifester ici avec des Kalev. Non, mais écoutez, c'était comment? C'était comment? Il était avec Kabila. Mais les matchs avec Fayou, la répression. On a vu Fayou Jean-Marie, en train de danser là. Israël a soulevé un très bon débat. Quand Fayou dansait là, c'était quelque chose. Non, il a soulevé un très bon débat. La Covid aujourd'hui est devenue un prétexte pour aujourd'hui. On doit pas protéger la population? Non. Les populations, il y a des concerts chaque jour, à Grand Liboulou là-bas. Il y a des deuils ici à Cinquantenaire chaque jour. Les églises se remplissent chaque jour. Les transports se remplissent chaque jour. Les marchés, les gens y vont chaque jour. Ce n'est pas un prétexte. Donc pour moi, mon avis, on ne peut pas aujourd'hui parler rapport de force quand on a un pouvoir qui a peur de nos opposants. Il fallait laisser la Mouka marcher et mesurer ses rapports de force. Ne pas laisser la Mouka marcher, on trouve qu'on est dans une dictature par un gouverneur Ngobila qui devient de plus en plus partisan. La ligne qu'Israël Moutala est en train de prendre, laquelle il est raisonnable. Je ne l'accuse pas d'être antisémite. Il est raisonnable. Dans ses propos... Oui, vous y pensez à peu près. Non. Dans ses propos, on sent un souci parfois... Oui, on sent un souci parfois de dénoncer M. Tshisekedi, tantôt, tout ça. Mais je suis quand même surpris qu'Israël nous dise qu'aujourd'hui, le rapport des forces, c'est la rue. Mais ça crédite la thèse de Wema lorsqu'il vous dit que nous aurons à ce moment-là une alternance sans alternative. Je ne m'explique pas que nous ayons au pouvoir l'UDPS, un parti politique qui s'est battu pendant 37 ans, que l'UDPS arrive au pouvoir... Que pour des raisons de démocratie, les gens se soient dans l'obligation encore de faire parler la rue, parce que l'UDPS fait exactement ce que Kabila faisait. Nous serons en train de faire du Kabila. Je vous dis la vérité. Non, moi je ne comprends pas. Ça veut dire que les manifestations publiques sont constitutionnelles. Je suis d'accord. Ça veut dire que, moi je dis, quand vous n'êtes pas d'accord avec un gouvernement, la Mouka a le droit de manifester. Et moi je dis que clairement que le Covid est un prétexte. Et donc, ça veut dire que Kabila et les autres. C'est un rapport de force. Encore faut-il que ce pouvoir permette à ses opposants de descendre dans la rue. Mais que nous soyons dans l'obligation de faire appel aux recettes que nous avons utilisées à l'époque de Kabila pour un pouvoir qui a usé de ces mêmes recettes, c'est la preuve que le pouvoir n'a pas amené un changement. Non. Attendez, lorsqu'Israël vous dit ici, Katumbi doit peser, Katumbi doit faire. Attendez. Nous étions avec Kabila ici, que tout le monde a critiqué. Il a géré le RCD, le MLC, tous ces gens-là. C'était des groupes armés pendant 3 ans. Mais comment nous pouvons arriver au pouvoir aujourd'hui avec l'UDPS qui s'est battu dans la rue? Ils ont le soutien des Katumbi et des Bemba pour réussir l'Union sacrée. Et ils sont incapables de gérer pendant une année ou pendant 2 ans cette coalition-là. Mais nous sommes où, cher ami? C'est véritablement ce que Wemba dit. Nous sommes dans une alternance sans alternative. Quelle est l'alternative qu'on nous propose ici pour voir les changements entre Kabila que nous avons critiqué? On a dit de lui qu'il était rwandais, on a dit de lui qu'il était ceci. Donc là, on est vraiment... Moi, je ne comprends pas, Perrault. Moi, je dis ici, moi, j'analyse, ça veut dire que je dis que quand il y a des frictions entre deux forces qui sont partenaires aujourd'hui, il faut peser le pour et le contre. Parce que imagine aujourd'hui que Katumbi quitte la coalition. Oui. On est d'accord. Il court quel danger? Il court quel danger? Qu'il pèse le pour et le contre. Non, les dangers qu'on a fouillé dans sa vie, qu'il a. Je dis ceci. Vous l'avez dit. Et moi, je dis ceci. Toute personne qui a exercé le pouvoir dans un régime où la prédation. Moi, je dis ceci. Attendez, c'est du Kabila, ça. Pourquoi l'avoir combattu, ce Kabila-là? C'est ça le problème. Moi, je dis ceci. C'est du Kabila, ça. Moi, je dis ceci. Voyez-vous, aujourd'hui, ça veut dire que. On ne peut pas négliger l'apport de Katumbi aujourd'hui dans la récalculation de la majorité. D'accord. Mais ça veut dire que c'est moi qui ai dit ici que les Katumbistes ont raison de se sentir un peu floués au gouvernement et partout ailleurs. Mais je dis voilà. Mais là, vous pesez le pour et le contre. Vous quittez, vous allez où? Parce que là, de l'autre côté, Martin Fayoulou s'assume comme leader de la Mouka. Parce que vous êtes allé à la majorité. Et donc, vous ne pouvez pas avoir le même rapport de force avec Fayoulou au sein de la Mouka. Donc, vous voyez-vous? La position de Katumbi est difficile. Fayoul ne veut pas accepter qu'il intègre encore la Mouka. Non, ça veut dire que Fayoul est aujourd'hui le leader de la Mouka sur le plan politique, pas sur le plan juridique. Sur le plan juridique. Mais l'opposition dans le pays ne se cristallise pas sur Fayoul. On peut avoir une opposition multiforme. Bien sûr. Vous n'allez quand même pas relativiser la puissance politique d'un Katumbi par rapport à Martin Fayoul. On ne relativise pas. Il y a plusieurs rôles.
Il y a plusieurs pôles aujourd'hui. Katumbi peut bien quitter M. Tshisekedi aujourd'hui. Il aura pignon sur rue parce que ça s'appelle Katumbi. Vous n'allez pas nous dire qu'aujourd'hui, que Katumbi, c'est un leader politique mineur. Non, non. C'est un leader politique majeur. Et alors, bien sûr, il peut bien tracer son chemin loin de M. Tshisekedi. Mais dis-moi, tu penses bien, mais pourquoi il ne franchit pas le Rubicon? Ça veut dire que lui aussi, il connaît ses limites. Il a tracé des lignes rouges d'Israël. Oui, mais d'accord. Il faut les suivre dans son discours des jeunes Afriques. En tout cas, c'est déjà une rupture qui est consommée. Si vous inscrivez cette loi, je quitte. Donc, il a dit même les élections à 2023, c'est une obligation, une exigence. Ça veut dire que ce n'est pas un Katumbi qui a peur de rompre. Hein? Katumbi se présente, surtout après la mort de Kyungu, de quelqu'un qui est prêt à affronter le régime. Ce n'est pas pour rien qu'Abound est allé là-bas pour dire que l'INAFEC doit rester dans l'Union sacrée. Donc, on panique. Si les gens se mettent d'accord, on réunit des experts pour une loi pour extirper quelqu'un, c'est que. Parce que dans ces rapports de force, rien n'est présent. Oui, mais sur la question de la loi Tchani, tu connais ma position, je suis opposé. Oui, mais c'est non, j'ai dit. Sur la question de. Qu'on mette tous les experts. Non, j'ai dit. Sur la question. Sur la question. Je ne fais pas la guerre avec toi, Israël. Non, je suis en train d'expliquer d'abord. Non, sur la question de. Si Katumbi ne représentait rien, on ne peut pas mettre tous les experts. Mais on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Comment extirper Katumbi des élections? Ça veut dire qu'on vous dit ça. C'est quelqu'un qui fait peur. Moi, je pense que Katumbi, c'est le seul opposant qui fait peur à Tshisekedi aujourd'hui. Il faut suivre même les parlements debout. Voilà. Moi, je ne suis pas sûr. Avec les bilans qui présentent, s'il vous plaît, Israël, vous allez parler, avec les bilans qui présentent l'IDPS aujourd'hui et qui, par rapport à ces rapports de force avec... pourquoi vous parlez des bilans à 2 ans? Non, ils ont... Il a 5 ans de mandat. Mais sur la question de l'élection en 2023, il faudra relativiser. Oui. On doit rester objectif. M. Katumbi n'est plus opposant. Autant que M. Bemba, autant que M. Kamere. On doit être clair. On ne doit pas fuir l'opinion. L'opposition aujourd'hui, c'est Fayulu et Mouzito. C'est simple. Ils vont... Écoutez. S'ils ne sont pas dans les institutions, on les considère comme des opposants. C'est très normal. Katumbi est avec Tshisekedi. Bien que ils ont des positions partagées. Il a Katumbi... Non, mais personne n'a dit que Katumbi était dans l'opposition. Écoutez. Il a dit... Écoutez. Je peux parler. Écoutez. Je peux parler. Écoutez. Jean-Marie, on doit relativiser. La personne qui, aujourd'hui, les personnes qui incarnent l'opposition, c'est même connu, c'est Fayulu et Mouzito. Parce qu'ils n'ont pas de délégués dans les gouvernements. Katumbi a des délégués dans les gouvernements. Il a même parlé de ses postes ici. Il y a la place des 11, là, il y a 5. Bemba a des délégués dans les gouvernements. Mais l'échec, par exemple, de la commission qui était envoyée avec Escadela et tout ça. Jean-Marie, ils ont des problèmes entre eux, des problèmes de leadership. Katumbi a un rêve monstrueux. C'est légitime pour lui. 2023, il doit être candidat. Il se voit déjà présent en 2023. C'est très normal, c'est légitime. Mais dire qu'il est dans l'opposition, il n'est pas dans l'opposition. Non, parce mais personne que n'a dit qu'il a... Katumbi était non, dans l'opposition. Non, Wemba l'a dit. Katumbi, oui. Je ne l'ai pas dit. Moi, j'ai pas dire dit que, ça. Dire que Katumbi, 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 Katumbi va partager, s'il fallait dire, il va partager un bilan avec Tshisekedi. Les bilans, c'est les bilans de l'Union sacrée. Parce que M. Katumbi, M. Kabemba ont crédibilisé l'Union sacrée. Quand le président de la République a lancé l'appel, quand l'IDPS dit, oui, ils ont répondu volontairement. Oui, donc ça pouvait. Jean-Marie, Fayulu pouvait partir, Mouzito pouvait partir. Ils ont dit, non, mais écoutez, mais laissez-moi parler. Non, mais laissez-moi parler. Non, il faut comprendre d'abord, laissez-moi parler. Monsieur Bemba et Katumbi, qui étaient dans la Mouka, ils ont dit. Nous partons pour soutenir notre frère. Qu'est-ce que vous voulez représenter? Non, moi je n'ai pas dit. Moi je suis sur les faits. Moi je ne suis pas dedans. L'Union sacrée avait une besoin d'une majorité. Ils ont dit, il faut rester dans les faits. Il faut rester dans les faits. Monsieur Bemba, monsieur Katumbi. Il allait apporter quoi, si c'est que tu peux le calmer, s'il te plaît? Oui, il est calme. Tu peux le calmer. C'est pas un débat. Concluez, il est calme. Bemba, non. Bemba et Katumbi sont allés soutenir Tshisekedi. Ils lui ont donné une majorité. Ils ont crédibilisé l'Union sacrée. Ils ont mis un gouvernement ensemble. Ça signifie quoi? S'il faut rendre des comptes, ils rendront des comptes. Non, mais Katumbi lui-même, il faut faire noter ici que on est à la fin. Oui. Lorsque vous lisez son interview chez Jeune Afrique, il dit qu'effectivement, nous avons nos ministres là-bas. Mmh. Mais le premier qui sera devant les Congolais pour rendre compte de son bilan, c'est M. Tshisekedi. C'est clair. Et il assume, hein, Katumbi. Personne ne le refuse. Oui. Que vous rapportez aujourd'hui que l'UDPS a dit Bayaki Bangomoko, c'était volontaire. C'est tout simplement de l'ingratitude à un moment donné. Comment ça? Et ça, ça crédite un manque de sincérité. Et ça crédite la thèse de où. Vous savez, on tend vers 2023.
L'avenir nous donnera raison et les gens vont se rendre compte que l'UDPS n'est pas un allié sérieux avec qui il faut convoler. Oh, parce que je vous dis la vérité. Ça, trop vite, non, mais attendez. Ça posera si ils disent aujourd'hui que Katumbi et Bemba sont arrivés volontairement, oui. Mais ils diront ça. C'est un appel du président Tshisekedi. Ils pouvaient ne pas venir. Hein. Attendez, ils ont dit ça de Genève, non? Les lendemains, ils sont partis. Hum? Après, ils sont allés à Nairobi avec Kamere. Hum? Après, Kamere est en prison aujourd'hui. Ils sont allés signer des accords en Mbouela Lodge avec, avec lorsque Kaboul était sur les chevals et que Roubé lui a dit Omoni, tu vois ce qui donne le pouvoir. Caricatural. Après, aujourd'hui, caricatural. Sont... Non, mais c'est vrai, non, vous n'avez pas vu les images. Lorsque Kaboul était sur les chevals. Aujourd'hui, ils ne sont plus avec Kabila. Bemba et Katumbi sont arrivés. Je vous dis, je mets ma main à couper. Yves Bouya l'a dit, si Bemba et Katumbi n'étaient pas venus aux consultations, les consultations de M. Tshisekedi, c'est une sorte de flop. Mais aujourd'hui, les gens qui sont venus, même volontairement, vous donner des béquilles pour vous sortir d'une situation compliquée avec votre allié, que vous les traitez comme ils traitent Bemba et Katumbi. Moi, j'ai comme les personnes qui sont en train de s'aimer le fond et ils répondent à la tempête. On cheat. Moi, j'ai dit, l'union sacrée, nous sommes dans un contexte politique. Tshisekedi avait besoin d'une majorité. Et en alliant Katumbi, il savait que Katumbi allait lui apporter des députés comme Bemba. Et dans cette union sacrée, en tout cas, au-delà des... Je n'ai pas la carrière politique de Fayoulou. Mais dans cette dynamique de Tshisekedi, Fayoulou ne représentait rien. Il a quelques 4 députés, Mouzouk était le seul député de son parti. Donc, on avait vraiment besoin de Bemba, on avait besoin de Katumbi. Bemba n'est pas assez mal. Mais pas faire chantage à Tshisekedi. Mais moi j'ai dit ceci, on est dans notre pays, on doit cesser de confondre. Je vais citer là-bas. Le vieux Lukundu m'a dit, je le répète tout ceci, on doit cesser de confondre un camp politique à la fois d'une religion, à une discipline de l'armée. Je répète ça, c'est-à-dire Katumbi a mis une ligne rouge. Il dit, si vous franchissez cette ligne rouge, je quitte l'union sacrée. Chantage. Ça, pas... Et ils font du chantage aussi. C'est que Perrault a dit, c'est très important. En 2023, l'UDPS aura un problème des alliés. Alliés? Oui, bien sûr. Ça sera très sérieux. Très sérieux. Mais ils ont tous les Katanga. Jean-Marie, non. Kyungu n'est plus là. Les Dani Banza, les Kiaboula. Écoutez, Jean-Marie. 2023 sera difficile pour l'UDPS. Des Mouyambo. Non, Jean-Marie, regardez ce que l'UDPS a fait d'abord à la Mouka, Genève. Oui. L'UDPS est allé avec Kamere. Kamere a gommé sa signature, sa candidature. Il n'a jamais quitté. Il a gommé. C'est un acteur politique, il encaisse. Oui. Mais il en donnera des coups de main. Il a gommé sa candidature pour l'UDPS. Tu sais qu'il y a une difficulté avec Kabila. Il fait recours à Bembe Katumbi. Ils y viennent. Ils disent, c'est notre frère, on oublie tout. Non, ils viennent. Ils accompagnent Tshisekedi. Ils mettent en place un gouvernement. Regardez comment est-ce qu'ils sont traités. Alors ? Regardez comment est-ce qu'ils sont traités. Il est chef de l'État. Oui, il est chef de l'État, mais ils sont traités comment ? Maintenant, en 2023, tous les potentiels alliés de l'UDPS. Ils vont faire quoi ? Ils ouvriront grandement les yeux. Qui a la signature? Même la signature. Mais tu sauras quel président de la République réélu avec un faible pouvoir. Merci beaucoup. Avec une majorité merci douteuse. Merci beaucoup. C'est là où on dit la sincérité pose problème. Concluez, je suis d'accord qu'à l'UDPS, il y a des problèmes sérieux des alliances, de la gestion des ambitions au sein avec ses alliés. Mais quand ils ont défait Kabila, il y avait quand même un arrière-goût revanchard de la part aussi des Katumbi qui avaient des comptes à régler à Kabila. Donc il n'est pas parti seulement pour les beaux yeux de Tshisekedi. Il faut quand même qu'on restitue. Il avait aussi quelques comptes politiques. Il avait aussi quelques comptes politiques à régler à Kabila. Il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup en tout cas en vous remerciant. Juste une pensée pour mon ami Anlem Evegué Amobe qui nous a quittés brutalement cette semaine. J'ai aussi une autre pensée en ce moment pour Jean-Philippe Martelly, que vous connaissez aussi, du grand groupe Kassav, qui est dans un état de santé assez délétère, enfin, très précaire. Une pensée pour lui, j'espère qu'on va l'aider un peu à s'en sortir. Et la semaine prochaine, nous allons revenir encore une fois sur l'actualité de la semaine, en notant que demain, focus sera sur le dialogue. Est-ce qu'il faut encore un dialogue ici chez nous pour mettre ensemble les partis, est-ce qu'on doit penser à une transition de tous les acteurs, l'utilité ou pas? Il y aura beaucoup de leaders politiques et surtout les états-majors qui viendront défendre un peu ou démonter cette stratégie. Allez, portez-vous bien dans quelques instants le journal, votre club, rediffusé jusqu'à lundi. Commentez, surtout avec la présence de Perrault. À la semaine prochaine.